Ah, ciseaux deux fois. Roche, papier, ciseaux. Ah. Mais bas. Subject Matter. Ah, si, il l'a eu. Subject Matter, tu veux clipper mon headshake? T'as amuse-toi. Et voilà, c'est fait. Une chaîne co-op qui termine les phrases de l'autre. Metal Gun. Metal Gun. Sacrifié pour faire une ligne. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mon Dieu. Bonjour tout le monde! Hello! Hello! On va gasser, Arte, j'ai tout défait le cadrage. Yeah! Ah oui, c'est... Quoi? Ah, tu l'as fait, ouais. Il est parfait, ton cadrage. Il était pas correct, mais là, il est correct. Salut tout le monde dans le chat, est-ce que vous allez bien? Jeudi. Yeah, Ezoderic est là. Ah, petit cœur de Flémy, ça. Magic a fini de bonne heure, ou il a pris congé, ça? Ouais, Flémy est parti coucher, je pense. Flémy? Dormir, c'est quoi ça? Ouais, ben, elle a fait une méchante chute. Flémy a travaillé fort hier. Elle a commencé à 7h30. 7h30 le matin. Le matin, puis elle a fini à 10h30. Puis elle a juste fait des affaires. Juste fait des affaires pour le tournoi. C'était assez. Elle s'est donnée en sacrament. Elle s'est donnée. Une run de coup de pied dans les fesses. Queen était après en faire aussi. Elle a réussi, même si c'était pas en live. On a su qu'elle avait envoyé ses. T'es pas tendre partout encore, ça revient. Mais elle a fini par reprendre le... Par être capable. Par être capable, fait que c'est ça. Le poil de la bête. Le poil de la bête, donc ouais. c'est exactement ça. Donc bonjour tout le monde! Ouais, il y a l'autre. Il fallait qu'elle monte le gars. Ben là, on parlait du tournoi. Ben oui, c'est ça, t'as qu'à parler du... Ouais, on va en parler aussi tantôt, mais là, on va faire comme d'habitude. Il y a des dés partout, il y a 8 dés maintenant dans la collection de dés. Hey, c'est-tu un beau chiffre, 8? Ouais, je pense que j'en vends plus des dés. Ils sont c'est ça que t'as dit, c'est beau. Faut au moins se rendre à 10! Ah, ben là, trouver, va falloir qu'il y ait des gens qui veulent, qui font du D&D ou whatever. Il va falloir se rendre au moins à 10. Ça n'a pas de bon sens, on peut pas le laisser ça à 8. Donc! Mais non, il y en a 8 au total, là. Eric, garde Brad, il les a toutes montrées. Il y en a 8 total. Mmh. Allô, Steph? Il y en a 8 au total. Il y en a 8 au total. Brad les a tous. Je pense que c'est le seul qui les a tous. Attrapez-les tous. Ouais. Fait qu'il y a Jeu AZ, il y a La Quête du Bois, Tire un œil, Alex Gibault, JSF, Karazen, Le Grand Maître Marmot et Projet Placeholder TV. Ce sont les 8 dés dans l'ordre que Brad les a montrés. Yep. Ouais, il y en a un huitième qui s'est rajouté. Il manque un pigeon. Ouais, mais... Urgent, je pense pas qu'il fait... Je pense pas qu'il fait D&D. On enchaîne pas tant. Non, mais ça serait beau, me semble, sur le dé. J'avoue que le logo de l'os avec le dé bleu et jaune, les deux couleurs, ça serait assez cool. J'avoue. Pourquoi j'ai dit là, c'était urgent, je voulais dire. Ouais, c'est ça. Mais... Pigeon, ouais. C'est urgent, je pense qu'on parlait. Pigeon, pigeon. Si un pigeon devient famous, l'autre aussi, là, ça marche comme ça. Ouais, c'est comme toute la même. C'est tout des pigeons. C'est ça. On s'élève collectivement. Ok, j'arrête. Okay. C'est quoi le nom d'un groupe de pigeons, Urge? C'est une sacrée belle gang. Ah, ok. Parce que je savais pas, je pensais que tu le savais. C'est bon. On passe à d'autres choses. On passe au prochain appel. Donc, ça doit être un émeute. Un émeute. Elle est bonne. Donc, on va passer aux présentations des gens qui sont avec moi. Après ça, on va faire nos annonces. Puis après ça, bon, on va rentrer dans la game. Donc, on va commencer avec Frank de la Kid. Hey, bonjour. Bonjour. Pas grand chose, je suis Frank. La Quête du Bois, je suis un ébéniste qui stream son atelier. De ce temps-ci, on est en train de faire la table de jeu AZ parce que la semaine prochaine, on s'en va à l'événement du Bash AZ pour présenter cette belle table. Et ça ressemble à ça. Très très hâte. Allez le voir, allez voir ce qu'il fait. Ouais, il en a terminé une table de D&D récemment en plus. Elle est magnifique. Yep.
Puis demain, je termine l'autre. Ouais. C'est-tu le même modèle? Non? Non, non, c'est la grosse avec les portes qui s'ouvrent partout, là. Wow. J'ai verni aujourd'hui, puis non, c'est bien du fun. Ah, j'ai connecté toutes les petites LED de ça aujourd'hui, là. Quand tu les plugs, puis ça allume, c'est malade. Ça doit, la satisfaction, là. Non, mais c'est à cause de... La dernière fois, je les ai pluggés, puis ça fait... Fait que là, ils ont allumé. Oupsie! Il a fallu que j'achète d'autres LED. Ouais, moi, c'est... Tant que la table n'a pas pris feu, ça va bien. Ouais, c'était ça ma réflexion, moi, tout. Que la table n'a pas pogné en feu. Au pire, ça marque où les LED sont supposés être. Il fait de la pyrogravure. C'est de la pyrogravure à OLED. Sans joke, je pensais pas que les petits... Tu sais, c'est plein de petits connecteurs. Les petits connecteurs noirs, ils rendaient un beau trou au milieu. Ah mon dieu. Wow. Shit. Ben, c'était du 12 volts qu'il fallait et non du 120 volts. Mais je sais pas trop de différence. Là, je te le dis. Ah bon, ben, pas besoin de faire les essais. Et voilà. Tout ça pour dire, content que t'aies pas brûlé. Ouais, c'est non, ça a bien été. Ça a fait le flash. J'ai connecté, ça a fait le flash, j'ai déconnecté tout de suite. Des fois, écoutez Frank, ça peut donner des crises de choses. Comme la fois où le bout de bois, il a passé à 3 pouces de la tête. Non, il est allé, écoute, je te jure, le bout de bois est allé planter dans le mur en arrière de lui. Tu dis, s'il aurait passé à travers pouces. Frank, c'était fini. Là, genre, c'est débile. J'ai vu ça l'autre jour, puis je filais pas. Frank. Non, c'est ça, c'est vraiment. Là. J'ai vécu ça au secondaire, ce genre de choses-là. Ah, c'est une erreur de secondaire. Oui, c'est ça. D'habitude, tu vois ça au secondaire. Là. Tu vois pas ça genre c'est... live chez Frank. C'est que c'est le genre de couple qui se fait des fois qui peut arriver que ça part. Mais tu t'arranges que ça parte pas trop, mais tu sais jamais qu'à servir, mais t'as pas le choix de faire la coupe dans cet angle-là. Fait que regarde, ça part, c'est pas la fin du monde. C'est pour ça qu'il faut jamais que tu sois dans l'angle. Ou que je mette mon tablier en cuir qui est fait pour ça, ça pourrait être le fun aussi. Ça serait... Écoute, mais si je le fais pas pour toi, il fallait pour mon cœur. c'est dis tout ça. Au lieu que ça te passe au travers, t'as juste 4 côtes de cassé. C'est déjà mieux. Ça fait un beau clip. Ouais. Fais comme ça. Fait du content. Fait du content. Et tu imagines Frank en avant de la lance. Tombe à terre. C'était assez. J'ai toujours pas ton adresse pour quand je suis chez vous en cas que tu te laisses. Mais oui, je l'ai déjà dit. Mon adresse est sur mon site web. Quelqu'un l'a vu. Je pensais que t'allais le dire là. J'étais genre. Mais non. Non, c'est juste que si jamais je suis là pendant après le modéré puis qu'il se blesse, tu sais, au moins je suis. C'est vrai, son adresse est là. Fait que si je reçois des appels de tweet sur mon téléphone, je sais où renvoyer l'appareil. Ben, c'est comme j'ai dit, moi j'ai ton numéro de téléphone, fait que si je veux faire du scam, je sais où envoyer l'appareil aussi. C'est parfait, fait qu'on est winner. Le seul problème, c'est qu'on a tous les deux donné nos numéros à Queen. Yeah. Ah oui, son letter armor augmente son AC. Pas fort. Maintenant, on va passer à Projet Placeholder TV! Oui! Projet Placeholder TV, un collectif, Mimi et Hugo, qui font... de la peinture de miniature puis du RPG, du Pathfinder 2 avec... Il essaye aussi de se couper les doigts avec ses cutters. Oui, c'est ben il faut les tester, hein, je veux pas, les cutters, voir lesquels qui coupent le mieux puis qu'on les sent moins passer. C'est pas, on parle des erreurs de tout le monde. Hein? Ben, de voir les miennes. Et ça, c'est moi qui fais le RPG et la peinture de Mimi. Et Mimi, elle s'occupe de comme jouer à des jeux cute, fun, beau. Puis le samedi, on fait du co-op. Et samedi, pas lui qui vient, l'autre d'après. Ça va être une soirée communauté. Si vous voulez jouer avec nous. Puis c'est ça. Fait qu'après le bash à Z, on va aller les voir. Yes, vous êtes... pas trop brûlé. Finir la soirée avec des petits puzzles. Moi, je peux déjà te dire... C'est ça. Je suis comme... Moi, ça va dépendre du nombre de bières que tu me renvoies. Oh, ouais, il y a ça. Hein, mais y a le... Parce que là, après le bash, on voulait comme aller souper avec... On va souper avec Maïe et Flamie. Fait que... Peut-être que Frank va vouloir s'ajouter. C'est ça. Queen aussi. Ça va dépendre de l'état, je vais avouer. Ouais, ça va dépendre.
dépendre de l'état de tout le monde, parce que tu vas voir que c'est... Yeah. C'est ça, ben, en tout cas... Ça, doit être, ça tire du jus, les affaires de même, c'est sûr. Toujours. Toujours des mais il y en a qui le prennent mieux que d'autres. T'es comme justement, Azad Eric, lui, c'est un pro de ça. Il ne vit que de ça. Non, mais ça le fatigue pas. Il y a comme une endurance puis une constitution avec les événements qui ne le fatiguent pas. C'est le plus vieux de l'équipe compétitive. Puis je me souviens quand on avait... Ouais, c'est ça. On va en compétition, puis là, tous les jeunes, on est à moitié morts après trois rounds. Puis Eric, lui, il pète le feu, puis il court partout. Tu sais, genre, c'est vrai, c'est comme genre... Oh, OK. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. C'est Eric. Et lui, ça le drive. OK. Voilà. Enfin, ah, puis un collectif de pigeons, ça peut être... un flock de pigeons. Ça peut aussi être un litter, un kit ou un loft de pigeons. Ah! J'aime beaucoup le terme émeute. Un émeute de pigeons, c'est très bien. Une émeute de pigeons, ça pourrait être très nice. Mais ça t'as ça aussitôt que t'échappes comme un petit peu de pain dans un parc, là. C'est ça. Et parlant d'émeute, tu fais ça, puis je me peux plus. Ou pain dans un parc, ou ben genre des graines de maïs dans tes mains pendant un voyage à Rome. Oui. Non, c'était en Italie. Hey, je mangerais de maïs dans ta main si tu me payes le voyage à Rome, t'inquiète. On n'était pas à Rome, on était à Venise à ce moment-là. Mais, oui, c'est juste ça. Rome. C'est juste Rome. Oh, du parlant de pigeons, mon cher Urgent, si tu veux présenter ta chaîne. Mais certainement, je suis Urgent Pigeon, un streamer de jeux vidéo variés, je fais plein de choses, je suis un grand fan de Nintendo, de jeux indie et de jeux d'horreur, mais en ce moment, mon cœur est pris par Elden Ring et Hi-Fi Rush. C'est mes deux jeux de l'heure. Ouais. Fait que finalement, ma description ne fit plus, mais c'est pas grave. Mes racines sont là quand même, tu sais, c'est ça. Sinon, j'ai un événement en fin de semaine qui est la console qui console, qui est un LAN à Brook. Je suis un streamer invité, fait que si vous êtes dans le coin, et même si vous ne l'êtes pas, je vous invite quand même à venir. C'est un gros LAN. Il y a vraiment plein d'activités. C'est très familial. Il y a du lancer de la hache. Il y a plein de kiosques. Il y a du laser tag. Il y a plein d'affaires. Fait que ça, c'est très nice. Sinon, je fais aussi un podcast une fois par mois. On a reçu les gars de Fika Productions. Derrière les producteurs derrière Ship of Fools, c'était vraiment nice. Il va sortir sur Spotify et YouTube bientôt. Et on a décidé qu'on pouvait l'annoncer pour le prochain d'ailleurs, parce qu'on a déjà booké notre prochain invité, qui est Beta Tester, qui est un journaliste de jeux vidéo qui est quand même bien connu, notamment dans l'univers de Twitter et de Instagram. Puis, on peut jaser de c'est comment qu'on fait pour devenir journaliste de jeux vidéo, puis c'est quoi un bon article, puis c'est qui Beta Tester? Être pas connaissant, Beta Tester, c'est pas l'acolyte d'Alpha Tester. Non. Parce qu'il y a une chaîne Alpha Tester, puis son acolyte s'appelait Beta dans le tas, mais... Non? Okay. Non, c'est... Je me demandais des fois. Ben, peut-être que tu le sais pas. Écoute, tu lui poseras la question. Tu là, veux le savoir, va au podcast et réponds à la question. Mais pour une Alpha Tester a déjà travaillé avec Eric. Donc, Eric vient de nous confirmer que ce n'est pas le même gars. Merci, Eric. C'est vrai. Une chose que les gens ne savent pas. Je pense qu'il a travaillé pour Eric, même Alpha Tester, dans le temps. Okay. Ça me dit quoi, Alpha Tester, en plus? Ouais, que... c'est un streamer, c'est une chaîne. C'est ça, ouais. Mais non. Mais il y a l'or, Alpha et Beta. Voilà. Et pour... je m'excuse. Je voulais te demander. Urgent, peux-tu nous rappeler c'est quoi la cause épousée par la console qui console, s'il te plaît? Je ne l'ai pas dit. Non. La console qui console, en fond, qui est un LAN caritatif pour ramasser des fonds pour le camp. Le camp Sherbrooke, même le camp Estrie. Donc voilà, ça fait... écoute, ça fait, je pense, la 9e édition. Okay. Moi, j'étais allé dans la première édition, il y a 12 ans, genre. À l'époque. Ouais. Mm-hmm. Là, je lui retrouve pour la deuxième année de suite en tant qu'inviteur invité, en tant que streamer invité. Je sais plus parler. Ouais. Mais il y a 12 ans, tu y allais en tant que quoi? Que personne qui connaît le créateur de l'événement. Okay. Il y allait en tant que streamer. Mais t'es pas streamer dans ta... Tu y allais comment, là, vas-y? C'est un étudiant. Ça se passait au cégep de Sherbrooke à l'époque. Astor s'est rendu dans
le centre des voix de Sherwood, c'est vraiment du coup. La pire session de ma vie. Que Eric le connaisse. Il participe au Animaracon. Aussi la console qui console. Ah, une belle gang. Que Eric les a déjà connus. Ça m'étonne pas, Eric connaît tout le monde en convention. Ça me surprend pas non plus. Pas étonné de ça. Et sur la chaîne, eh bien, vous savez, on est en pause de Dracotia pour le mois. Avec tout ce qui se passe, puis Warhammer qui prend de plus en plus de vapeur. Si vous avez été sur les chaînes connexes, vous en entendez parler partout. Hier, il y avait 4 chaînes qui parlaient du tournoi en même temps. C'était assez débile. Donc, il y a un tournoi qui s'en vient le 18-19 mars à Sainte-Catherine. En physique, il reste encore 10 places pour les joueurs de Warhammer 40K qui voudraient participer. Sinon, je vous rappelle que nous avons de la place pour des visiteurs qui veulent venir voir les artistes et faire un tour. Leur acheter des trucs pour les encourager. Jeu Hazard va être sur place aussi. Vous allez pouvoir avoir boisson. Boisson grignotine. Merci grignotine, je cherche un mot. Boisson grignotine. Etc. Sur place. Vous allez voir Frank aussi qui va être là. Frank va être là, je vais être là, Maï va être là, AZ Eric va être là, Flamey va être là, Queen Boo va être là. Moi, j'arrête pas d'inviter plein de monde aussi. Puis Flamie, Maï. Ouais, même si vous jouez pas, si vous êtes curieux de voir, parce qu'il va avoir des très belles armées, il y a un concours de peinture, puis tu le quittes. Puis venez voir la table de Frank, effectivement, en physique, qui va être là. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez venir faire un tour sans problème. Je sais que c'est annoncé sur plusieurs chaînes. Plein de beaux monde, plein de belles armées. Ça va être le fun. Puis ça peut, des fois, ça peut aider à comprendre ce qu'on parle. Je sais que tu l'as dit, mais veux-tu rappeler c'est où? C'est à Sainte-Catherine. Faudrait que je te la ville de Sainte-Catherine. Tu sais lequel Sainte-Catherine? Parce que j'ai parlé de Sainte-Catherine justement sur un stream dernièrement, puis ils m'ont dit « Ah, oh, Sainte-Catherine dans Fort! » Non, pas celle-là. Non. De Atlée. Atlée, j'étais là. L'échec, c'était pas ça. Il y a un Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier aussi qui est comme clairement pas en même place. C'est la ville de Sainte-Catherine. Fait que la première affaire. Mais c'est à côté de quelle ville, disons? C'est à côté de... là, parce que je veux le dire, je m'en souviendrai pas. C'est à côté de Kanawaka. Kanawaki. Puis Saint-Constant, là, ça? Oui. Saint-Constant. Ville de Saint-Catherine. C'est la ville de Sainte-Catherine. Et je vais donner l'adresse. Merci, Eric. Merci, Eric. Il est plus vite que moi, c'est Python. Génial. Je t'ai rendu, là. Centre civique, salle des Amarres, porte à l'arrière, le 5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Québec, Canada. J5C1A6, et je vous dis même que nous avons des bornes de recharge électriques dans le stationnement. Pour ceux qui auraient des voitures électriques, on a tout vérifié ça, et il y a même une place pour les personnes à mobilité réduite qui voudraient venir nous voir, ils peuvent entrer. Et à même la bibliothèque, effectivement, pas loin de Delson aussi et de Châteauguay. Donc, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de game de Dracotia pour le mois à cause de tous ces événements-là, de la préparation demandante. Lundi prochain, pour poursuivre ce qu'on a commencé lundi passé, parce que lundi passé, on a fait introduction à Warhammer, comment commencer une armée de cloquettes. Nous allons continuer à la demande populaire de faire un stream où on va parler de d'autres volets de Warhammer. La dernière fois, on a parlé de comment monter une armée puis du hobby un peu. On va en parler encore. On m'a posé une question de magnétisation, donc je vais montrer comment magnétiser les modèles. Et en plus de ça, on va adresser la partie jeu de rôle qui vient avec le jeu de Warhammer 40K, qui est souvent que les gens oublient qu'il y a le lore derrière une armée, comment le composer puis comment le jouer sur table. Oui, parce qu'il y a des modes narratifs qu'on peut faire aussi. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé à la campagne de Dragonlance. La campagne de Dragonlance est maudite par les dieux. Il y a toujours quelque chose qui arrive à chaque semaine. Sauf qu'à partir de finalement de la semaine passée, je suis jamais allé canceller la prochaine qui est le 19 mars. Il va y avoir quelque chose qui va le remplacer. J'ai un petit projet que je vais annoncer lundi prochain qu'on Curse va faire. Of Dragon Lance, ouais. Écoute, c'est débile. Il y a toujours de quoi qui arrive. C'est toujours des affaires que c'est vraiment comme il faut qu'on cancelle parce que c'est pas de la faute de la personne. Les gens sont au courant de l'histoire d'Alex. On a eu certains membres qui ont eu de la mortalité. Il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Puis ça arrive tu m'annonces que le 20 mars, il n'y en aura pas non plus? Non, c'est pas ça que je t'ai dit. OK, j'ai entendu 19 mars. Si elle est cancellée le 20 mars, je vais faire un événement quand même en stream. Ah, cool. Probablement lié à Warhammer.
Parce que j'ai un projet que je voulais faire un lundi ou deux semaines, mais il va être possible de... Si le curse continue. Si le curse continue. On va souhaiter que non. Dieu sait que... Je sais qu'il y en a là-dedans qui ont besoin de faire une game de... Alex en particulier, pauvre... Elle était dans 8 games, puis elle tombait à 0. Là, ouais. Genre, c'est comme ouais. Assez... c'est assez intense. Fait que si possible, on va la faire. Si c'est pas possible, ben, on va faire autre chose. Puis on va annoncer le nouveau projet de... que je vais faire... lundi prochain avec Warhammer. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a d'autres choses? Je vois que nous avons perdu Aniera. Ah ben oui. Ouais, bébé avait décidé de... Ah. Hey, salut! Ah, des viennes. Hey! Moi, je dors pas. Hey, bonjour! Listen. Hey, listen! Ah, et voilà! Hein, c'est comme on dit. Voilà, de retour. Timing. Elle s'est téléportée comme son personnage. Voilà. Ouais. Quand même, une belle intro de 20 minutes, c'est quand même pas trop pire. Pas mal ça, parce qu'on se voit plus souvent, aussi souvent que d'habitude, c'est comme ça se tire. Enfin, on est parti sur des vagues un peu, c'est correct. Correct. On a eu des grosses tangentes. Il restait Dracossa aussi, la prochaine partie de Dracossa va être le 9 avril. 9 avril avec les Bellarti. Le retour des Bellarti. J'ai dû canceller la semaine passée pour un problème familial. Et après, c'est les mercenaires. Après, c'est les mercenaires. Après, c'est... Faut que je check. C'est les mercenaires qui vont avoir le problème familial? Non, j'espère que non. Il y a peut-être de ça. Puis après ça, ça va... Je pense qu'il y a juste les mercenaires qui n'en ont pas eu de problème de... Voilà. Non, non. Les genres... Non, je vais arrêter. Je vais arrêter. Non, ben c'est déjà fait. Moi, ça va mieux, mais j'ai déjà eu d'autres bugs. Mm-hmm. C'est vrai. T'as juste à donner bien dans le terme. Dans le temps, ouais, c'est ça. Des fois, c'est ça qui arrive. Mm. Bon, ben, sans plus tarder, on va aller dans notre partie. Donc, si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a vu nos héros, ils ont reçu une mission du Cobalt Soul d'aller investiguer un gars après plusieurs mésaventures pour investiguer sans se faire détecter. Moi, je suis très fier de notre réussite. Ça a été vraiment rocambolesque. Plusieurs. Rocambolesque. Ouais, mais il n'y a pas juste eu des rats. Hein. La première, ça a été d'ordonner une calèche de suivre l'autre en criant. Ah oui, en plus. La course de calèche dans les rues de Ankaret. Ensuite, il y a eu Bramnus qui s'est trouvé drôle et qui a summoné 10 000 rats pour suivre un gars. Mais non, mais je pensais d'en summoner 4. Cat Swarm, oh ouais. Cat Swarm, il y en avait seulement 8 au total. Il y a 8 Swarm qui est apparu. 4 émeutes de rats. 4 colonies de rats. Même chose. Tomato. Et finalement, ça a fini par se rendre compte que le gars, il n'y avait rien à cacher. Il était pas méchant, il faisait juste se sauver. Puis c'était un peu un imbécile. Et... Ben, il y avait tout à cacher, mais c'était vraiment pas ce qu'on pensait. C'est ça, vous avez sauté aux conclusions avant. Fait que ça a pas donné grand-chose. Et donc, toujours en tuant du temps, parce que notre équipe se prépare à rejoindre un bateau volant et partir dans une mission d'aller attaquer un château volant, dans le fond, de nuages. Un château volant sur un nuage, mais qui appartient à des géants des nuages. La mission leur a été donnée par, pour ceux qui écoutent leur affaire de Vox Machina, Percival Whitestone. Non, Derolo, Percival Derolo de la ville de Whitestone. Ben, c'est pas lui qui nous l'a donné. Ben, ouais, c'est le capitaine, Géronimo. Mais le capitaine lui qui vous a demandé de faire la mission, mais la mission vient de Percival. Ok. L'espèce de papier qu'il y avait, c'était ça. Je viens de faire la deuxième saison, justement. Ouais, fait que c'est Percy qui vous a donné la mission, pour ceux qui écoutent Critical Role. Donc, et là, vous aviez décidé, vous aviez une autre quête à faire. On devait investiguer un fantôme qui terrorisait des gens dans le shrine de la Wild Mother. La quête officielle, c'était de le virer de bord pour essayer d'en faire une arme pour l'organisation. Mais d'investiguer, de voir s'il y avait moyen de tirer, que l'organisation puisse tirer profit de cette
Ouais. Situation. Et me semble que de commun accord, notre groupe a de penser juste voir et peut-être le libérer. Ouais, exactement. Je me souviens bien. Et je suis sûr que ça peut se faire rapidement, ce genre de mission-là. Sûrement. Ça dépend de où ce qu'on s'en va. Mais là, on veut pas finir la partie à 10 heures quand même, là, rapidement. Non, mais ben, c'est que vous êtes pas capable de rien faire rapidement. Arrêtez, là. Ça, c'est clair, c'est apprécié. Faudrait arrêter de filer pour ça. Puis... Ouais. C'est que moi, mon point, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas volé dans un bateau volant vers un château volant. T'as déjà fait ça? Tu veux partir vite, toi, là. Ouais, t'as déjà fait ça avant? Non. J'ai essayé très fort avec mes grosses oreilles, mais ça marchait pas. J'ai hâte de voir comment un éléphant se sent à 20-30 pieds dans les airs. Moi aussi, j'ai très hâte. Il est pas fait pour ça, lui. Donc, mes chers, mon cher groupe... Mais j'adore l'aventure, je suis quand même curieux. Ça va être cool. Donc, qu'est-ce que... Vous faites. Là, vous sortez du temple de Ayun et localisez la bibliothèque Cobalt. Allez, je pense qu'il fallait qu'on attende qu'il soit rendu le soir pour aller investiguer la place. Presque le soir, vous aviez quand même étiré votre journée pas mal. Hein. Vous étiez en fin de journée quand vous étiez sorti du casino. Puis vous êtes retourné à la mission. Fait que le soleil est après se coucher. Oh, mais on va y aller. Hein. Vous allez vous rendre sur place, super. Est-ce qu'on était pas mal en forme avant? Parce que là, moi je suis pimpant. Là-dedans. Ben, je pense qu'on s'est pas battu dernièrement. Non. Ben, peut-être pas summoner des swarms. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. J'ai juste fait un fog cloud, moi, puis ça a été tout. Si on analyse de ce qu'on a fait, je n'ai aucune idée. Sauf. J'ai commandé des rôles. J'ai même pas fait de bardic inspiration. Bon, ben, j'ai utilisé deux charges pour me mettre invisible et suivre le gars. Ça reste. C'est tout. Ça va. Ben, ouais, il nous reste 3 encore. T'as un joke, il nous reste combien de jours? 2 jours encore. On pourrait aller faire ça demain, là. On pourrait faire ça demain. Soir d'un coup qu'on soit vraiment en poche et qu'on ait besoin de 2 soirs pour le faire. Mm-hmm. Agreed. Yeah, ça. On peut commencer par investiguer puis voir si c'est vraiment trop rough. On vient l'autre soir d'après mieux préparé. Si. On y va. Est-ce que tout le monde a shifté de map? Oui! J'ai une belle map noire. Je n'ai pas de token, donc. C'était une question. Ben, on répond. On répond à la question. Bon, la réponse, ça rappelle un oui ou un non. C'est pas obligé de me dire, je veux rien. Oui, je sais que tu veux rien. Noir. Bromoz. Et finalement, Carno. Vous pouvez rester là, Miss Aira, s'il vous plaît. C'est pour le chat que je fais ça. OK. Parce que sinon, il voyait pas grand-chose. Ouais, mais là, c'est le token view. Fait que ça va être quand tu vas te déplacer. C'est parce qu'on a des buildings de fermés. Fait que j'ai pas le choix de le faire. C'est la nuit. Non, c'est le jour. Mais non, c'est la nuit, mais sur la map, on est de jour pour que justement le chat puisse voir. Oh non, aussi, je vais aller m'installer à côté du boss pour le chat. Quoi? Oui, il y a plein de portes partout. Fallait que je fasse. Ah. Bon. Merci Eric pour les bits. Il va falloir que tu dis à qui tu donnes le dé. Pour Bramnus, il n'y en a pas deux, lui. Ramnus, ah ben oui, toi. C'est mon frère. J'ai utilisé mes dés, Audrey. On a que ça a arrêté pour le maître de jeu, vu que les pirates joueront pas avant un bout. Non, mais ces dés-là, c'est juste Netherlight. C'est juste pour Netherlight les dés qu'il y a, là. Mes dés de Dracosia sont... Ça donne juste qu'il est à 2 sur les 2 parties. Et tout le monde a compris à Dracosia qu'il fallait pas en donner au DM parce que t'as aucune fucking garantie de quand est-ce qu'il va s'en servir. Donc... Vous arrivez dans une partie du district de Sigil. Sur votre gauche, il y a un énorme building. Ici. Ça va, hein? Qui est le temple de Dame Nature. Une déesse qui est très proche d'Aera. Et de tout le groupe, parce que vous avez vu son arbre géant. Où vous avez tué un dragon bleu. Sur le continent de Wildmount. Il y a quelques semaines. Vous en êtes là pour l'instant. C'est le soir. Vous voyez qu'il y a un peu de mouvement dans la bâtisse en avant de vous. Il y a des gens
qui rentrait et qui sortait parce que c'est clairement une taverne qui est localisée là. Un peu plus loin, je ne sais pas si vous voyez dans votre champ de vue. Non, vous ne la voyez pas encore. Quand vous allez vous tasser, vous allez pouvoir voir autre chose. Donc, vous avez un commerce à votre gauche qui a l'air d'être une boulangerie. À droite, excusez. À votre gauche, vous avez le temple. Vous avez ici le, la taverne. Là, vous ne savez pas ce que c'est. Ici, ça a l'air d'être une forge qui est située dans le fond. Et voilà. Ah, ok. Là, dans le fond, l'idée, c'est qu'on était censé trouver les bruits d'où ce que ça vient, puis tout. Est-ce que... Bramnus cherche la porte de la taverne. Qu'est-ce qu'on entend? Et Bramnus réalise qu'il est pas sur la bonne rue, la taverne est là. Bon, ah, ça, c'est le derrière de la... oui. Qu'est-ce que nous entendons? Il cherche une bière de route. Pardon? Qu'est-ce que nous entendons? Ouais, ben du monde qui se promène, des bruits de ville, je te dirais, pretty much standard, il n'y a pas de, de bruit. Je vais juste me déplacer. Vous pouvez vous déplacer. Ben moi, je cherche la porte de la taverne, là. Je veux ma bière de route. Tranquille. Ta porte est ici. Youhou! Ah, la bombe, boum! Ah, regardons la porte! Que t'es rendu. Hey. Ramnus, tu arrives dans un endroit. Excuse-moi, j'ai pas pensé de mettre les tas de NPC, mais il y a une barmaid non. qui est derrière le bar et il y a à peu près 5 à 6 clients qui sont assis un peu partout dans les tables. Ils sont en train de siroter des bières tout en échangeant des conversations. Ah, ok, c'est là le bar, c'est ça que je cherchais. Oui. Bon. Bramos l'a trouvé avant toi, ouais, Bramos l'a trouvé avant. Ouais, ben c'est... je pensais que c'était dans le noir en haut, mais ok. Je m'en vais au comptoir, puis je commande une bière. Puis, avez-vous entendu parler des histoires qui se passeraient à l'hôtel en avant? On m'a dit qu'il y aurait peut-être un fantôme. Un fantôme? Un fantôme? On a entendu des choses, mais vous savez, on en entend plein à tous les jours. Il y a des voyageurs et tout le kit. Je peux pas vous dire vraiment. Non, pas plus qu'il faut, non. Ok, ça vous dérange-tu si je prends la shop et que je sors avec, je vais vous la rapporter après? Ben, je vais être obligé de vous demander un dépôt pour les shops, puis je vais vous le remettre si vous, vous rapportez les shops. Pas de problème. Donc, la bière, ça serait 2 pièces d'argent, puis je vais vous demander, mettons, 8 pièces d'argent en dépôt, ça fait 1 pièce d'or. Chaque. Merveilleux. Moi, je trouve ça trop compliqué, puis je le cale. Merci beaucoup! Ça me fait plaisir. Tu lui donneras la shop en shooter. Ouais, il met sa trompe dedans, lui, puis ça rentre. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Okay. Fait que je prends la shop, puis je m'en vais voir le monde dehors. Carnoa, la bâtisse que t'as passée ici, ça a l'air d'être une salle qui vend des armes et des armures. Et ici, c'est une... où t'étais. C'est une tente qui a l'air d'offrir des services de thé. Nice. Moi, je vais suivre Carnoa. Me semble d'habitude, c'est lui qui est... Il est érudit un peu plus, mettons. Ok. J'attendais le pot, là. Ah ouais? Non. T'es celui qui est érudit. Mais que tu trouves pas le pot va venir, capte-toi pas. Trompe-toi pas. Il y en a pas de pot. Moi, je vais suivre Anera parce qu'elle est partie dans l'hôtel. Ok, Anera rentre dans l'hôtel. Bon, on attendait que quelqu'un fasse la gaffe. Ok. Fait qu'Anera, on va te reculer. Parce que là, je te voyais pas. Je peux pas gérer 52 personnes en même temps. Ok, ben, je vais laisser rentrer. Ouais, là, que... Oui, laisse-la rentrer. C'est une bonne idée. Ben, c'est parce qu'en théorie, elle a fait tard, moi. Oui. Puis j'ai eu de prendre ma bière. Ta bière, oui. Finalement, ce que Mario vient de dire, c'est que plus personne bouge. Personne bouge. On monte les mains. Pas tant que ça, Arte. Bon. Hold up. Hold up, ouais.
Jazz Hands. Non, pas tant que ça. Ah. Ok. Je touche plus au clavier. Ok. Aniera, j'ai besoin que tu me dises ton AC si tu calcules pas ton bonus de Dex. T'as plus, si je vois ça. Quoi, ton, ta classe cool. d'armure? Ben, j'ai 15. Ouais, puis t'as combien de bonus de Dex? Donc, t'as 11 pas de Dex, c'est bon. Okay. Ouais. Flat footed. Ouais, mais avant, c'était écrit, quoi. Ouais. Ouais, mais 16! De toute façon, on aurait touché même pas flat-footed. Je pense que c'est... Ça existe encore, flat-footed? On peut le mettre, c'est un... optional rule. Mais dans ce cas-là, ça s'appliquait, fait que je vais le faire. Sinon, j'aurais dû donner avantage. Mais ça a l'air que tu déteignes ton Pathfinder. Je sais pas quoi dire. Mais c'est le fun! Tu... quand tu rentres dans le... Dans l'église, il y a comme une espèce de main fantôme qui part à peu près du milieu ici, qui vient comme te griffer. Même si ça fait pas de blessure physique, tu sens comme que la douleur est dans ton âme. Et ça te fait 6 points de dégâts qui ne pourront pas être healés. Compris, Aera? Hey! Mais... Non. Tu as laissé la job? Pas d'accord. C'est plate ça? Ouais. Il fait une blessure restauration. Et ça vient. Elle est après trouver des. Ouais! Va lui faire tel spell! Oh. Marche pas, monter de level, va faire heal! Ok, ouais. Tu vas voir que tu me limiteras pas, je suis 6e niveau. Okay. Check-moi bien caster lesser wish. Fait que, ouais, tu sens la espèce de griffe te rentrer dedans, puis après ça, ça disparaît. Bramnus, toi aussi, tu vois l'espèce de main fantôme frapper Aniera. Ok, c'est quasi physique, là. C'est quasi, éthéré, ben c'est comme un fantôme éthéré, exactement, qui griffe. Ouais. Okay. Puis après, ça disparaît. Et ben, je me retourne vers mon compagnon, puis je fais. Ben, je l'ai trouvé. Oui, je pense que. Je vais continuer de boire. Hey. Nous autres, on est même pas à côté. Non, ça, nous autres, on est pas loin de la tente à faire comme. C'est spécial. Si pas à l'extérieur. Ah, oh, je pense qu'elle t'avait déjà trouvé. Même si tu sors. Tu penses qu'elle peut sortir de ça? Pourquoi pas? Je rentre à l'intérieur voir si je. Okay, arrangez soir... tout pour être curse. Ça va être super génial. Ben oui. Fait que, même affaire pour mon ami Bramnus. Fait que j'ai 14. Sans ta dex, c'est bon. Ouais. Bon. Je l'avais préparé dans ma tête. On a-tu une perception ou quelque chose? Ben, t'es pourquoi pas là. C'est le c'est Aniera. Parce que j'ai pesé sur Aniera, excusez-moi. C'est supposé que c'est parce que... Il va falloir les recommencer. Non, on les recommencera pas, urgent. Parce que j'essaie de cacher le token, ça fait ça. Aniera va faire 7 points de dommage nécrotique oh là là. À Bramnus, qui ne peut pas être healé non plus, pour l'instant du moins. C'est pas du psychique, hein? Non, c'est du nécrotique. C'est ça, ok. J'ai rien contre ça. Fait que tu vois la main se matérialiser, mais ce coup-là, elle se matérialise comme directement devant toi, hein, puis elle te griffe au visage. Encore une fois, il n'y a pas de marque physique, mais... Et ça, on le voit-tu, nous autres, qui est à l'extérieur? Ben, t'es loin, t'es vu reculer. Parce que là, tu vois pas en dedans de où t'es... Pendant que les autres font ça, nous autres, on est en train de checker d'entendre. Fait comment? Un bon pire, quoi? Moi, je suis tourné en rond. Le truc, il est là, il nous griffe. Ah! Oh. Ben, faut-tu y aller? On est-tu assez proche pour les avoir entendus? C'est ça notre mission ou non? Je sais plus, là. Ça fait-tu mal? Tu oui. Oh. Mon âme. Ok, oh, yeah, I guess. Ben moi, c'est ça m'a fait mal. Quoi, Bramnus? Alright. Carnoa va se caster Armor of Agathis dessus. Ok. Puis, on va y aller.
Moi, je reste à l'intérieur, mais j'essaie de donner... Je sors mon épée, puis j'essaie de donner un coup de où ce que vient la griffe. Et tu tapes dans... Elle m'a fait mal, je vais lui faire mal moi aussi. Et tu tapes avec ton bâton, ça pogne de l'air. Non, mon épée. T'as un épée? Ah ouais. Non, je me suis faux de personnage tellement. Là. Oui, je suis là! T'es un druide, dude! T'es un bâton! J'ai un cimetière aussi, c'est pas lui qui a le pouvoir de cimetière, c'est l'autre personnage. Okay. C'est avec le bâton, je donne un coup. Ok. Fait que ça fait rien. Tu pognes de l'air. Carnoa, t'as casté un armor avec Gatsis, oui. Yes! J'y colle, qu'est-ce que tu veux? J'ai 15 temps, puis si je me fais hit, la personne va se manger 15 de cold damage. Juste en melee, oui. Ouais. Okay. Oui, parce que tu le casses max level, t'es un warlock, je sais, là, tu le casses. Yes, j'ai 4 spells, 3 spell slots. En tout cas, j'ai pas beaucoup de spell slots, mais ils sont tout le temps max level. C'est bon. Pour l'instant... Puis pendant que Bramnus attire son attention, je vais avancer discrètement et tenter de creep around dans la salle. Et piti. Fait que tu rentres dans la salle toi aussi? Yes. Je vais te laisser rentrer dans la salle. Ouais. Je vais rentrer avec un stealth. Juste pour être sûr. Ah ouais, juste 23. Ok. Ouais, 18, juste 23. Comme juste 23. Ok. Fais-moi un Constitution Saving Throw, Carnos. Ouh! Ta-pa-ta-pa-ta-ta-ta-ta! Saving Throw! Excellent effet sonore, d'ailleurs. Ta-pa-ta-ta-pa-ta! Ta-pa-ta-pa-ta! Ouais. Est-ce que tu veux prendre un TD? Moi? Je pourrais, rendu là, hein? Un des trois. Attends, oui, hein? Si le DM le propose en plus. Ouais, je te le propose. Ça serait une bonne idée que tu réussisses ton jeu. Arrête. Ah bon, parfait. C'est bon. Fait que pendant un bref instant, tu sens tes yeux devenir flous comme si t'avais des cataractes. Oh shit. Puis mais tu clignes des yeux puis tes yeux sont corrects. C'est l'air du désert, je fais pas. Ouais, oui. Pendant que t'es dans un oasis, l'air du dessert, ouais. C'est ça. Est-ce d'air sec? Ok. Moi, je suis pas sûr que je veux rentrer. Tout le monde rentre pis sort pis ils sont moins bien. Quand mais là, je vois Carnoët bouger. Mais là, Carnoët, il va arrêter de bouger, là. Fait qu'il a bougé son tour. Hein. Ouais, j'avoue. Je vais rester. Hein? Je vais retourner là. Pas en init, mais j'aimerais que tout le monde ait la chance de faire de quoi avant que, tu sais, comme tout le monde se pitche partout. Fait que, est-ce que Bromoz, Bramnus, voyons, Bromoz veut faire de quoi? C'est les BR qui fuck tout. Bromoz, j'ai 23 d'estate, tu le vois pas. j'ai Danger Sense, là, puis je sais que c'est pas ça que ça fait, mais je le comprends, là, je veux dire. Bon, Elephant Sense is tingling, ok, c'est bon. C'est ça, okay, c'est ça. Mais tu pourrais toujours coller un éléphant dans la chapelle. Pour tuer un fantôme? Ben, ça ferait... Je suis sûr qu'elle ferait le saut. Je suis sûr que tout le monde ferait le saut. Pas mal sûr que les propriétaires du temple seraient vraiment contents qu'un éléphant soit allé trampler, genre, l'ultime meuble. Et fait que... J'ai pensé. Bromoz reste en arrière. Aera, est-ce que tu fais quelque chose? Comme je sais pas trop ce qu'on est censé faire avec cette créature-là, je vais essayer de communiquer dans le fond avec, quoi, parce que, tu sais, de base, il voulait essayer d'en faire une arme ou whatever. Donc, je me dis, si on était censé essayer d'en faire une arme, est-ce qu'on est capable de parler à la créature?
d'essayer de... Là, je veux pas rentrer dedans parce que grosso modo, j'ai compris qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dedans, ils font « Au! » Chaque fois. Ben, Carnoy, il a rien dit. Bon, moi non plus, j'ai rien dit. J'ai essayé de donner un coup. J'ai dit hey, « ma maudite, que tu veux? Mm. » Ben... Anira a chialé. Ouais. Arculé. Non. Ibramnus a visiblement interagi avec un maringouin. On va essayer de, avec une persuasion, de, on n'est pas là pour te faire du mal. On est là pour essayer de t'aider. Fais ton persuasion. C'est sûr qu'avec plus 10 sur le dé. Il y a une raison pourquoi que j'ai voulu essayer de persuader. T'entends une petite voix dire lâchez-moi tranquille. J'ai rien entendu. Ben oui, tu l'as entendu. Ok. On a rien fait. On essaie de rentrer. Je suis désolé de déranger ton endroit de hier. As-tu l'air proche de moi ou... C'est une chapelle? Ouais, c'est une église. Elle est à peu près dans le coin de l'hôtel, je te dirais. Ok. Je suis désolé de déranger ton moment de paix, mais malheureusement, on nous a demandé d'essayer de régler le problème afin que tous les citoyens et citoyennes de la ville puissent revenir ici et eux aussi bénéficier de la paix de la chapelle et venir prier lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait te convaincre de partir et de rejoindre la déesse Melora ou peu importe la déesse que tu aimerais? Je vous ai demandé... Si je rentre, tu vas-tu me faire mal? Je vous ai demandé de partir! Partez! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? On s'entend qu'on est dans une église ici, là. Faites-moi tout un perception check. Je peux-tu essayer de beeline vers là où la voix avait l'air de venir? Tu peux, à tes risques et pires. Alright. Les jets de dés à soir, hein. Oh, Bramus, c'est le contraire de Anira, elle est spooked. Puis Bromos, il s'en fout. Vous avez des idées en Ok, Bramus, la voix te fait penser à une jeune. Tu sais, peut-être pas un enfant, mais un adolescent, peut-être plus. Okay. Donc, Carnoa, est-ce que tu faisais un beeline ou pas? Yes! On n'est pas là pour te faire de mal, on veut juste t'aider. Je vais prendre une dash action, puis... Ben, en fait, pendant qu'elle parle, je pense que je vais continuer à comme avancer discrètement. Et en jumpant par-dessus des bancs, puis te le quittes, super. Ben, pas jumper, mais essayer de comme... Tu sais, si je peux passer entre les... Genre, entre le mur et tout ça, ou ben... Tu parles aussi, mais à un certain point, tu vois une main sortir de l'hôtel, puis il y a une espèce d'énergie verte qui part dans ta direction. C'est pas une main spectrale, ce coup-là. Ça arrive pas. 28. Je peux-tu voler le spell? Oui, tu pourrais. Okay, fait que tu voles un Ray of Sickness? Yes! Là, t'entends « Je vous ai dit de me lâcher tranquille! » Puis, attends, tu peux pas bouger, là? C'est à mon tour, comme t'es nerfs. Tu vois une silhouette partir d'ici, allonge dans l'ombre, dans le fond. Puis vous entendez un verre qui explose directement ici.
On est supposé avoir. Ah, ok. J'ai deux jetons. Ok. Voilà. Donc, vous avez une vitre qui a explosé là. Là, ça marchera plus parce que j'ai pas pesé sur mon piton. Là. Et là, on va tomber en mode d'initiative, les amis. Mais là, c'est vraiment un fantôme? Il y a vraiment quelque chose que c'est pas ça. Avec la perception que j'ai eue, moi, je comprends rien. Non, toi, tu comprends rien. Fait que vous. Non, faut que je parte le combat. Attendez une minute, là. Là, vous pouvez cliquer sur vos affaires pour vous mettre en initiative. Oh, vous êtes pas obligé de la tuer, c'est pour continuer l'encounter que ce soit plus facile de gérer chacun son tour, parce que là ça commence à être tout le monde fait des affaires en même temps. Ouais, ça commence à être là, moi c'est le temps de faire ça, moi c'est le temps de faire ça, là, 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 là. Ça devient difficile. Mm. Ah, tu me fucking niaise! Ok. Je suis capable de rouler mon nez. Vous cliquez sur. Ok. Ouais. Clique sur le D. Voilà. Ou tu vas sur les deux, clique là. Ouais, fais normal. Ouais, c'est parce qu'en le faisant ici, d'habitude, ça fonctionne. Ok, puis il manque Bramoz. Ouais. Va sur les deux épées, en haut à droite où il y a le chat. Ouais, c'est ça, puis tu vas pouvoir cliquer dessus pour faire ton énote. Ah, oui. Hey, sérieux, les dés, ça va bien. C'est il y en a des de même. Okidoke. 3-4-3. C'est parti avec Bramnus, qui est number one. Je vais rester quand même défensif, puis je vais dire... Ben, je vais essayer de la persuader en même temps qu'on est gentil, puis de dire... On vient t'aider, on veut essayer de t'aider à t'en sortir, mais si c'est pas nous autres, les prochains qui vont venir, ça sera pas pour t'aider. Okay, c'est d'y montrer. Roule persuasion ou intimidation. Bon choix. Ouais, yes. C'était très bien. Nous autres, on vient t'aider parce que les prochains, là. Hein? C'est qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit persuasion ou intimidation. Ça va être persuasion. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Yeah. Okidoke. Aéra. Puis je vais m'avancer un petit peu par là pour laisser le champ aux autres à rentrer. C'est bon. Aéra. Considérant qu'elle m'a entendu déjà, je suis me demander si je pourrais pas me mettre à chanter une chanson qui pourrait essayer comme de la calmer. J'ai quelque chose qui fait. Song of Rest, non, c'est pour Elise. Ouais, mais je pensais comme juste jouer une mélodie avec qui chanterait les sure, fais un performance check. Les louanges de Melora, puis essayer de performance. La calmer. Grosso modo. Bon, on va. Je vais utiliser les dés. Ok, c'est bon. Hey, à soir. Les là, dés à soir. Ouais, c'est vraiment ça, là. Ça va pas bien. Ok, c'est bon. Ça va plus mieux. C'est good. Oh, on a perdu la prochaine. C'est quand même intéressant considérant qu'elle a genre pogné 11 en roulant sur le dé. Ouais, c'est ça. C'est assez intense. Est-ce que tu restes là, Aira? Je veux pas l'effrayer plus. Fait que oui, je vais rester là. Ok. Là, ça serait le tour d'Aniera. Aniera va sûrement essayer de se déplacer par là, I guess. Vu que. Ouais, c'est ça. On est en train de. T'es encore occupé, fait que. Nira va se déplacer par là. Si ça a cassé, si la vitre a cassé par en haut. Elle a tu juste ça comme mouvement ou bien elle a plus. Non, c'est ça. Elle a 30 de. Yep. 30 de move, elle. I guess qu'elle va prendre une dash action pour. Juste voir qu'est-ce qui se passe là. Ok. Elle a quelque chose en bonus action qu'elle va faire?
Oui, elle peut faire un paquet d'affaires en bonus action, mais il faudrait qu'elle voie la target. Puis là, pour l'instant, elle la voit pas. Ouais. Dans le fond, en l'entendant, la créature, on a-tu comme entendu qu'elle de la jeune, justement? Il y a juste Bramnus qui a réussi le check pour être capable d'identifier. Les autres, vous avez roulé de la bouette! Ben, j'ai roulé 12! 14! Non, c'était pas ça. T'avais roulé... 12. T'avais roulé de la bouette. C'est une bonus action, summon le swarm? Ou bien là, tout le temps avec elle? Mais... Non, c'est d'attaquer avec le... Ok. Même pas, je pense, c'est même pas une action comme ça. Ok. Ouf. Ok. Ah non, la bonus action, ça a été le dash. Right. Ben, avant de dire quelque chose, est-ce que tu peux rouler un Constitution Saving Throw à Nira, s'il te plaît? Sûrement. As-tu moyen d'avoir. Non, il n'y a pas moyen d'avoir avantage là-dessus. Non. Saving Throw. Bon. Okay. Fait que. Anira voit une jeune demoiselle se matérialiser dans. Je vais vous montrer. Dans un buisson, dans le fond, que vous voyez. Elle a essayé de caster un sort qui a failé. Anira aussi a été pris de. Tentative de cataracte qui s'est. Qui a pas réussi à prendre. Donc, c'est une jeune demoiselle d'environ 15 ans. Et là, le coin. Ok. Ouais. Et on passe. Elle a l'air extrêmement affolée. On passe à Bramos. Mais ça, on la voit pas. Là. Ben, toi, t'as vois pas parce que t'es comme là. Mais je veux dire, si tu te bouges de 15 pieds, tu vas avoir. Là, elle est rendue. Mais Bramos, de toute façon, il est vraiment. Il comprend rien là, en ce moment. Il y a Aira en avant de lui qui s'est mis à chanter. Il y a Anira qui est partie dans le sens inverse. Il y a Bromoz qui vient de caler une bière. Puis, comme... on ne veut pas de mal! Qu'est-ce qui se passe? Fait que je vais juste comme me rapprocher visiblement comme de la porte. Pour essayer de voir. Puis pas rentrer, je suis juste comme. Là que ça se pas sûr, tu chantes pour qui, Aira? Pourquoi Aira est basse là? Aira, tu chantes, mais pour ben, qui? Pourquoi? Moi, j'essaie de calmer la créature parce qu'elle avait l'air affolée. Quelle créature? Il y a une patente qui nous a. On est venu ici pour un fantôme? Ouais, je l'ai pas vu, moi, je comprends rien. C'est pas parce que. Ouais, tu vas sortir, tu sais, de quoi? Ok, ben si je pouvais chanter, je t'accompagnerais, mais tu veux pas. Fait que je te dis, tu veux pas. Fait que je vais juste comme rentrer ma trompe, faire comme. Hello? Puis ça va être ça. Ah, c'est bon. On passe à Carnoa. Carnoa va. Attends, on va essayer de comme me déplacer de manière à ne pas. Ça c'était 15, puis 40 est là. Ça c'est ma move. En standard, je vais faire un dash action. Ça c'est armor, mon homme. Si tu veux, la fenêtre elle est là. Ah, elle est là, ok. Elle est là. Puis il va falloir que je te fasse passer par-dessus. Ok. T'en as deux. Ouais. Tu vas être. Ouais, m'a prendre celle-là qu'elle a déjà utilisée, okay, qui a cassé. Là. Va te picher devant. Yes. Okay, je vais te faire pas tout. Ah, ok. Yeah! Ouais. Ça l'aide pas à la calmer. Quand elle voit un gros lézard apparaître devant elle en jumpant de la fenêtre, elle fait ah! Puis c'est ça. C'est pas un fantôme! Ben. C'est ça, là? Ou... Est-ce qu'il voit au travers, non? Et là, ils l'ont vu. Ouais, mais il voit au travers? Ben là, elle a l'air physique. Okay. Fait que... Carnoa, on a déduit que c'est pas un fantôme. Voilà. Puis, je vais faire... On te veut pas de mal. On est juste des aventuriers curieux. Tu dis-tu en fourche langue ou en langue commune? À chasse!
Ok. Je vais essayer le commun pour commencer. C'est bon, ça c'est good. Est après paniquer un peu. C'est au tour de Bramnus. Yeah, Bramnus, il se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe, fait qu'il va voir par la fenêtre. Ok, fait que tu prends ton passer à travers des poteaux et tout. Ça, c'est beau, c'est génial, j'aime ça comme ça. Tu vois une jeune demoiselle d'à peu près 15 ans qui a l'air complètement affolée, les yeux en train de sortir de la tête, la patate qui est après sortie de la poitrine, avec Carnoa qui a l'air d'essayer de la calmer. Mais il faut se souvenir que Carnoa est un homme lézard. Yes. Yeah, I know. Qui a l'air très, très tout sauf gentil et amical. Donc... Hey, on, je fit super bien à... Wild Mount, ouais, c'est ça. C'est ça. Azor Ahas, tout le monde me trouve sympathique. C'est ça. Fait que là, t'essayes de sourire, puis on pense que tu veux nous manger, c'est ça? Mais, oui, Mimi, si ça aurait été Théo, elle aurait probablement tiré dessus. Non, j'aurais identifié! Pourquoi tout le monde assume le pire de Théo? Parce que moi, j'aurais menacé de tuer sa famille, là, garde-le. Ouais, oui. Valriax l'aurait probablement dragué dans le puits. Ok, c'est le tour d'Aéra! Nos réputations sont faites, là. Ouais, c'est fini. Aéra, ben là, avouez que tout le monde s'en va par là-bas. Fait que je vais aller rejoindre mon ami, là. Combien de pieds, moi? 30 pieds. Bon. Mais fuck off. Ben, t'as sûrement entendu Carnoa crier que c'était pas un c'est une vraie petite fille, c'est pas un fantôme. Ouais. 30 pieds. Fait que là, si je veux avancer un peu plus, bon. Ben, tu peux prendre un dash action pour le faire. Bon, mais là, je pourrais plus rien faire d'autre. Je sais. Ça va plus. Ah, mais tu peux l'avoir, au moins, ah ouais. C'est ça. On va aller rejoindre Aniera, si tu peux. Ça. Là, je peux pas y parler plus, I guess. Là, tu peux pas prendre d'action. Là. Ah. Fait que c'est. Fait qu'on tombe à Aniera. Je le sais, je vais donner un bardique inspiration à Carnoa, tiens. Ok. Yay! J'ai envie de mettre. T'aurais pu le donner à elle. Ah ouais, j'avoue. C'est Shira, son nom? Oui, c'est Shira. Ben là, elle l'a pas dit, mais oui, son nom, c'est Shira. Ben, si je le donne à elle, en ce moment, elle pourrait nous taper dessus. Elle a l'air un petit peu désemparée. T'es autour d'Aniera. Ouais, je regarde ça. J'ai rien que des flèches, moi. Je peux pas portrer à la petite fille. Fait que je vais juste comme approcher. On est sur un bon jour d'Aniera, c'est pas pire. Parce que j'ai toujours connu des jours où Aniera aurait fait. Ouais, ben, t'inquiète. C'est sûr qu'il avait été dans une flèche d'argent. Toujours tirer le lézard qui a l'air de vouloir la manger. Mets-toi ça en poids, on est là pour te protéger. Allez, viens! Okay, je vais approcher tranquillement. L'eau dans laquelle tu viens de tomber est à peu près 20 pieds de profond. Fait que, est-ce que tu utilises. Je vais contourner. Je pensais que tu utilisais tes papillons pour flotter. Je me fais des belles maps, personne ne s'en fout. Tout le monde fait. honnêtement, je voulais aller prendre une dip dedans tantôt, okay, mais pas le temps parce que. Fait que t'allais se faire graffiner l'or. Ouais, j'approche avec les mains dans les airs, pis je fais genre, on vient en ami. Peace and love. Fais un persuasion check. Persuasion de qui, là-dessus? Tout le monde aurait qu'à la faire, ça. Oh ouais. Persuasion. T'as pas de bonus, mais... Ouais, c'était... Eh wow, bon, toi! Un petit dé? On utilise ça un petit dé encore? Je sais pas si je prends un dé pour ça. On essaye de la calmer, tu sais. Ouais, mais... Est-ce que tu l'as persuadé de prendre un dé? On a roulé un. Amine, t'en as deux. Ok, mais l'autre, je regarde pour me sauver la vie. Ok, okay, c'est bon. Fair enough. Ah, ben, c'est un net improvement. C'est mieux. T'as quand même 200%, c'est incroyable. Oui, une amélioration. C'est quand même fiable. Deux fois plus cher, ça va être 4. De manière exponentielle. Demain, ça veut dire que dans genre 4G, 5G, elle va faire un 20. C'est exponentiel, oui. Fait que c'est bon. Oui, exponentiel. On tombe à Shira, qui commence à se calmer. Voyant que personne l'attaque. Va
comme se tasser de... Et là, c'est là que tu remarques qu'elle a aucune expérience de combat. Parce qu'elle prend pas de choses. Fait que tu as le choix de prendre l'attaque d'opportunité si tu veux Carnot ou pas. Ah, I mean, je peux la rattraper parce que je cours plus vite qu'un enfant de 15 ans. Fait que... Okay. Elle laisse aller, c'est beau. Ouais. Puis elle s'arrête là. Elle se met en boule. Puis elle commence à pleurer, genre... à chaud de larmes. Et ça finit son tour. Ramos! Fait que là, j'ai entendu Carnot dire que c'était pas un fantôme. Ouais. Okay. T'as entendu Anira dire « Ben, on te veut pas de mal. » Là, t'entends quelqu'un pleurer. Ouais. Ok, puis là, je suis quand même loin, là, je la vois pas. Okay. Non. Je vais voir de quoi, là. Ils veulent tous passer par les fenêtres. Ton groupe pose pas de questions. Ah oui. J'ai vu tantôt en faisant le tour qu'il y avait de l'eau là, en haut. Puis là, moi dans ma tête, aussi. Je m'en souviens plus. Non, là. Les éléphants, ça l'aime l'eau généralement. Non, non, je sais pas. Ça l'aime prendre des bains. Mais okay. Fait que là, j'ai la tête comme dans la chapelle. Uh-huh. Là, je vois bien que Ramnus y est là. Uh-huh. Yeah. Puis je vois la fenêtre qui est pétée. Oui, puis tu devrais voir Carnoal au bord. Ouais. Ouais. Là, je me dis, c'est sûr que je passe pas dans cette fenêtre-là. Fait que là, ma réflexion, c'est soit que je pète l'autre à côté puis je me fais un trou à ma grandeur. Ou que... Bramose. Go around. Je vais faire la chose sage à faire. Me déplacer. C'est comme ça qu'on se déplace? Non. Là, c'est ça, après mesurer. Ce là, tu mesures, là. Non, ok, token controller. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué, je pense. Je pense que c'est ça. Je peux mesurer. Token control. Créer un trou. Oui, Steph. Créer un trou, c'est sage. Select token. Faut que tu prennes l'espèce de petit carré là, à gauche. Select token. Attends, le milieu. Cone template, circle template. Non. Non, token là, control. Oui. Select token. Ok. Ouais. Là, pèse sur les bars. Pèse ta space bar. Ça va. Là, j'hésite encore. Là. Ah, ok. Bon. Fait que là, j'ai 30 pieds là. Puis là, je fais un autre 10 pieds par là parce que j'ai 40. Yep. Puis là, je peux dash. Courir, ouais. Parce qu'en théorie, tu peux pas essayer de battre personne. Ouais. De là, je la vois. Là. Oui, ta voix. Ben, ouais. Elle est en arrêt des buissons, tu vois une petite fille qui pleure en sanglots, qui est roulant en boule à terre. Ok. Puis il fait noir, on est le soir. Oui. Ben, fait que là, je m'en vais par là. Qu'est-ce que Bramos va faire? Là, je tombe dans l'eau parce que ben, je le vois c'est, pas. T'es sur le bord, c'est correct. C'est correct. Ben, ouais, ok. Là, je suis quand même juste là pour t'aider! Là, je tombe dans l'eau. Il fait exprès. Là, ça fait un gros splouche. Tombe sur le cul dans l'eau. Je suis découragé. C'était ça où j'éclate une fenêtre à côté, là, la gang. Donne-moi un break de genre, dites-moi que j'ai fait le bon choix des deux. Ben, tu vas passer de toute façon à côté de. Non, dans ma vision de mon personnage, il y avait juste ces deux possibilités-là. Allo, Loss, merci pour le raid. Carnot. Ah, Blood Roots en plus. Nice. C'est mon ami qui était level designer sur Blood Roots, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, c'est autour de... Carnoir qui est après se déplacer. Il se remet devant la petite fille qui est en crise de dépression. Ouais. Ouais, mais Hugo, ah ben, Hugo, t'es muté, mon gars. Shit! Oui! Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on entendait rien. Ouais. Je vais approcher de l'enfant et genre faire un petit
un petit backpack. Puis c'est comme ça, ça va bien aller. Mais pourquoi t'es toute seule ici? Fait que ça sonne plus. Ça va bien aller. Ouais, ça va bien. Yes. Très très confortant. Ça. Ne t'inquiète pas. Ça va bien aller. Ah ouais, puis avec un gros sourire avec des dents, t'as un éléphant qui est après se mâcher en arrière. Il n'y a rien de rassurant là-dedans. On va quand même terminer le combat. Tu sais, dans le fond, la seule qui a essayé d'être rassurante dans tout ça, qu'elle a vu, c'est Aniera, parce qu'elle a pas vu Aera. Ben, je vais essayer de faire un persuasion ou quelque chose. Vas-y. Puis je vais prendre mon bardic. Aniera a roulé un 1 et un 2, back à back. C'est ça. Pour aider. Vas-y. Ouais, ouais. Puis je vais ajouter. Au final, on est un fucking zoo, là. Je veux dire. Oh, c'est le monde. Oh, c'est le monde. 27 quand même. Let's go. J'ai des pouvoirs, puis je viens ici la nuit parce que j'ai peur de faire mal à ma famille quand je dors, je les contrôle pas. Là, ça m'a pleuré. Oh, t'as des pouvoirs. Donc, tu contrôles. C'est toi qui a fait ces choses-là? Je m'excuse, je voulais pas vous faire de mal, je voulais juste que vous me laissiez tranquille. Est-ce que je peux m'approcher maintenant? Ouais, vous pouvez m'approcher. Ça n'a pas fait de mal. Il y a Aniera qui grommelle un peu. Inquiète-toi pas. On essaie de passer dans le trou de la fin. Ah, on est des aventuriers, okay, on a vécu pire. Mais... Fuck, je suis tout mouillé, sérieux. Donc... Ça gosse. Il y a l'éléphant tout trempé qui arrive à côté pour y foutre une autre peur solide. Enchanté, mais Colin! Je crois qu'on pourrait t'aider dans cette situation-là. Est-ce que t'as pensé parler à quelqu'un qui se connaît en magie pour t'aider à contrôler tes pouvoirs? Il y a des gens, ils sont pas... Il y a des gens en robe rouge qui sont venus, mais ils ont comme plein de... Puis là, ses yeux comme regardent Carnoa. Mais, comme lui. Puis ils ont comme plein d'affaires rouges après eux autres, puis ils sont comme difformes, puis... Ah, je veux un nom! Et? On va t'amener voir... Puis quand tu te mets à parler, elle se cache comme en arrière de Bromoz. Allô? Elle fait le tour pour. Elle a l'air de vouloir éviter Carnoa. Quand elle pointe ses yeux, après ça, elle fait le tour de Bromoz pour aller en arrière de Bromoz. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Carnoa, il est pas super gentil. Oui, j'ai. Écoute, je suis venu au monde comme ça, hein, c'est pas. Ouais, ok, non, pas vraiment, mais c'est pas. C'est pas le Vermilion Dream qui m'a fait ça, là. Il va pouvoir t'aider avec ta magie, en plus, je suis sûr. Oui, regarde. Je suis sûr qu'elle comprend. Je fais genre un Eldritch Blast, puis je le fais comme danser dans mes mains, puis je le dismiss. Hein. Moi, tout ce que je peux faire, c'est me mettre invisible, puis ça, je peux pas te le montrer. Côté magie. Attends, je peux faire la même chose. Je vais m'amuser. Je vais allumer le bâton à Carnot. C'est qui a un bâton ici? Bramnus, il y a un bâton. Si tu l'allumes, il va se transformer en arbre. Il va faire de la photosynthèse. Juste le bout du bâton. Fait que le bout de ton bâton allume. Tu transformes-tu vraiment en arbre? Là, non. Ça m'aurait même pas étonné. T'es rendu là. Je sais que la fille était effrayée. Je ferai pas plus. D'affaires pour lui faire peur. Là. Moi, je vais y envoyer juste comme quelques petits papillons pour lui tourner autour de la tête, genre pour la faire essayer de la faire rire. Elle a l'air vraiment traumatisée. Fait qu'elle a pas l'air de trouver les papillons. Elle a comme. Puis c'est tout, mais c'est pas sincère. C'est quoi le jet réconfort, là? Ouais. Non, mais il y en a pas. C'est Mais écoute, elle est traumatisée, là. C'est. Faut que t'appelles Brad que t'es réconfortant. Ouais.
m'aider. Comment vous allez faire ça pour m'aider? On qu'est-ce que vous connaît voulez des gens. On connaît des gens qui des sont qui travaillent genre contre le Vermilion Dream. Donc contre ceux qui sont venus te voir qui avaient l'air méchants. Ouais. Du monde qui sont gentils, qui vont pas te faire de mal. Ils vont juste essayer de t'apprendre à maîtriser tes pouvoirs. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est Shira, mon nom. Enchanté, Shira. Moi, c'est Bromoz. Enchanté, Monsieur Bromoz. Puis écoute, ce que j'ai appris à travers mes nombreuses aventures, Shira, c'est qu'un pouvoir, ça peut être une bénédiction quand tu sais l'utiliser. Puis là, probablement que ça te fait peur parce que tu sais pas c'est quoi. Mais, comme qu'ils viennent de dire mes collègues, on a des bons contacts en ceux qui vont pouvoir t'aider à apprendre à maîtriser ces pouvoirs-là, puis les transformer en bénédiction, puis que tu puisses en faire des belles choses. Non seulement tu ne blesseras pas ta famille, mais tu vas pouvoir les aider. Okay. Bromoz, fais-moi une persuasion avec oh, avantage. Come on! Avec avantage! Okay, très bien. Moi, j'achète. Okay. Oh, ouais, c'est ça. Malgré ça, ça fait... Ah, ok, puis là, elle prend la main de Bromoz. Oh. Et. J'y prends en retour. Bromoz, il va comme avoir un petit peu de glitter, puis un espèce de petit halo, puis tout ça. C'est les papillons qui viennent me voir autour. Ouais, c'est ça. Non, c'est, dans le fond, je casse Fairy Fire. Tu m'as prié, tout le monde casse des spells, tu m'as glowé, genre. Je vais juste m'amuser avec la précipitation. C'est ça. Il vole enfin. Mon plus grand rêve. Ok, donc vous allez l'amener où exactement? Ben, je pense que l'idée c'est qu'ils veulent l'amener au gars à qui qu'on avait été porter la quest précédente, right? C'est ça? C'est lui que vous parliez qui était gentil puis qui pourrait aider puis qui a une robe blanche. Je sais plus son nom. Oui. Oui, on pourrait aller voir Iwo. Ouais. Iwo au temple du mentor. Lui, il saurait qui. Si lui peut pas aider directement, il saurait qui pourrait aider le mieux. Qui serait le mieux placé pour aider. Sinon, on l'amène au château volant avec nous autres. Non. Yeah, not a good idea. Bromoz s'est fait une nouvelle amie. J'avais pas compris. Là. Il va l'amener. Elle va l'aider. C'est pas la même jeune fille. Les dernières amies que j'ai trouvées, c'était vous autres. Ouais, Bromoz, il est comme. Ah, un sorceleur level 0 contre genre des Cloud Giants. Let's go! Non, ouais, la petite en piggyback sur le dos de Bromoz. En piggyback? Elle fait juste cast. Elle fait juste cast. C'est moi, c'est cast, j'ai plus d'espèce. Moi, je suis sûr que ça pourrait donner un duo d'enfer et redoutable. Onward, my steam! Si ton personnage aurait été un sorcier ou quelque chose qui faisait de la magie. Je t'aurais laissé l'avoir comme apprenti. Je pense que je l'aurais fait suivre. Ouais. J'aurais donné. Mais un barbare qui enseigne à une sorcerer, pas sûr que ça va marcher bien dans ta frère. Fait que là, c'est comme ça que tu rage! La magie à l'intérieur de toi, là, ça te fâche! Là, elle tue tout le monde autour d'elle, puis game over, et voilà. C'est ça. Voici une statuette d'éléphant. Si tu la brises, il y a un gros éléphant qui s'en vient. C'est ça, maîtriser tes émotions! Je vais t'apprendre à maîtriser tes émotions. Il y a des classes hybrides comme ça dans Pathfinder. Tu peux faire comme un sorcereur barbare, ça s'appelle un Blood Rager. Ah, mon Dieu. Puis ouais, quand tu rentres en rage, t'es capable de caster des spells, puis ils sont plus hautes quand t'es en rage, puis tu castes des spells. Il y en a un dans D&D aussi, c'est un subclass du barbare. Ouh! Faire ça. Ok. Donc, vous partez avec Shira Ento pour vous rendre voir... d'arriver évidemment la nuit. Donc, le temple, on vous ouvre la porte quand même. On vous dit que Iwo est présentement pas là. Mmh. Mais, Question, elle est là. On va aller voir Question. Ça serait, ouais. Je pense que c'est un urgent matter. Question, pour ceux qui se souviennent, était une tiefling.
Ouais, ben là, elle a déjà un crocodile, elle a déjà un éléphant, puis un oiseau. Non, non, c'est pas ça, c'était pour les viewers, pour que je puisse poser les questions. J'étais pour dire ça. Elle a déjà peur, là, il est correct. Ah, tiens, je l'ai, moi. Non, je peux l'avoir. Et Aloysia, c'était elle, puis question, c'est elle en avant. C'est ça. Yep. Donc, question qui est là avec ses cheveux blancs en train de lire un livre. Lève les yeux quand vous arrivez dans la librairie. Bonjour! Comment puis-je vous aider? Bonjour! Bonsoir! J'ai trouvé cette petite fille dans les temples. C'est déjà la nuit! C'est déjà le soir! Oui. Ah! Je suis ici depuis ce matin, je suis désolé. Ce livre est tellement absorbant. Qu'est-ce qu'elle dit? L'histoire de la magie dans Exandria. On aurait une situation plutôt importante, voyez-vous, cette jeune fille. Mais certainement, j'ai des yeux. Ben, elle a de mystérieux pouvoirs qu'elle n'est pas capable de contrôler la nuit, et donc, elle peut faire vraiment du gros dégât. Pas mal sûr qu'elle peut pas les contrôler le jour non plus. Non. Ouais, mais je pense que c'est Pécandor. Et elle a tellement peur de faire mal à sa famille qu'elle va s'enfermer dans un temple la nuit plutôt que de rester chez elle. Donc, on pensait que vous pourriez peut-être l'aider. Ah, mais certainement. Et là, elle sort une paire de grosses lunettes de son tablier en avant. Avec ses yeux tripes de tort. Avec ses yeux tripes de tort. Vous voyez juste des yeux avec deux cornes. Genre. C'est rendu un mooncalf. Hein? Excusez. C'est rendu un mooncalf. Ouais, c'est ça. C'est... Comme dans Harry Potter. Puis là, elle s'approche, puis elle regarde Shira. Shira, elle a l'air de la trouver un petit peu drôle, mais tu sens qu'elle serre un peu plus ta main quand la tiefling s'approche, bronze. Ça va, inquiète-toi pas, Shira. Elle s'appelle Question. Tu trouves pas ça drôle comme nom? Mes parents m'ont appris à pas juger les gens de d'autres cultures pour leur nom. Tu vois, t'as déjà un super pouvoir qui n'en gère. On découvre le super pouvoir de Bromoz. Ah, oui. Le speech motivationnel. Fait que je suis un life coach. C'est un live. Bromoz est un life coach, les amis. Oui. On vient de s'en prendre ça ce soir. Bon, ben, urgent, quand est-ce que tu nous fais des podcasts de life coaching? Non, okay. C'est sous mon autre pseudonyme. C'est Calme Pigeon. Calme Pigeon, ok. C'est bon. C'est bon. Serein Pigeon. Qu'est-ce que c'est? Serein Pigeon. Pigeon okay. Serein. Fait qu'elle examine. Là, elle commence à poser des questions à la petite qui répond sur comment ses habiletés se manifestent, puis etc. Et là, question se relève comme tout d'un coup, puis est vraiment comme en train, là, à mesure son bras, la grandeur de sa tête, elle sort un instrument, genre, tu sais, comme deux choses de métal pour y mesurer le cerveau. Oui. Puis tu le quittes, puis là, ça va. Je crois bien que c'est une sorcière. Yeah. Est-ce que tu peux l'aider? Peut-être pas personnellement, mais... Je ne suis pas magicienne, et vous savez, ici, à la bibliothèque Cobalt, eh bien, on est plus sur l'aspect théorique de la chose. La raison pour laquelle on veut... Mais, si l'oiseau me laisserait terminer ma phrase... comme je l'ai dit, nous avons quand même des points de contact avec l'université de magie. Très probablement en mesure d'enseigner à la jeune Shira comment se servir dans ses habiletés. Voyez-vous, la raison pour laquelle on l'a amené ici, c'est parce que le groupe Vermilion Show... Le Vermilion Dream... Il courait après. Il courait après. Le rêve des Vermilles. Pour souhaiter exploiter ses pouvoirs. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé venir vous l'apporter à vous. Vous avez bien fait.
Mais comme je vous dis, on peut la tenir en sécurité jusqu'à demain matin sans problème. Mais il faudrait quand même que vous alliez rencontrer quelqu'un de l'université pour faciliter son adhésion à l'école. Pour qu'elle puisse être. Et ils vont pouvoir s'occuper de la protéger en même temps. J'ai d'ailleurs. J'imagine qu'elle a des parents, donc. Ses parents pourraient aller l'inscrire là. Est-ce qu'elle a réagi à la mention de ses parents? Non. Ben, je dis, j'imagine. Elle a dit qu'elle avait des parents. Oui, mais elle dit, je fais juste. Mes parents savent pas ce que je fais la nuit. Je sors de la maison parce que je veux pas qu'ils arrivent. Je suis capable de. J'ai été capable d'envoyer les sorts pour essayer de vous faire peur, etc. C'est pas un problème. C'est quand je dors, ils ont tendance à se manifester par eux-mêmes. Sans que j'ai contrôle, fait que j'ai besoin comme d'un endroit où je peux. Mais la nuit, elle pourrait pas venir ici juste pour être sécurité. Oui, mais si on lui enseigne pas, c'est comme un. Ouais, c'est ça, il va falloir quand même aller à l'école. C'est comme une mesure. Mais pour cette nuit, on peut la garder. Puis aussitôt que vous allez faire l'adhésion, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir passer les nuits à l'université où ils sont équipés pour. Si jamais ça se produit, ça ne sera pas la seule. Dans cette situation-là, vous comprenez? Ils en ont plein. C'est ok, ça. Super! Fait que c'est qui qu'on doit aller voir? C'est un monsieur du nom de. Mon contact est un gobelin. Nice. Il s'appelle Grix Alakritos. Alakritos. Et puis on fait juste aller là, puis on dit on veut parler à lui, puis. Vous dites que question vous envoie. Je vais même vous écrire une note. Donnez-moi 30 secondes. Elle s'en va à son bureau, puis elle écrit une note qu'elle remet à Niera, dans le fond. Donc, vous remettez ça à Grix, vous pouvez le demander à l'entrée. C'est un professeur là-bas. Il est un peu grognon, chialeux, là. Faites-vous-en pas, c'est une bonne personne quand même. C'est bizarre venant d'un gobelin. C'est un peu raciste ce que vous venez de dire là, vous là. Ah, mais j'en côtoie constamment. So? Là, le Carnoa, même Shira a appris à pas juger le monde par leur nom. Tu dis ça, là, mais sa première réaction a clairement pas montré cette éducation-là. C'est sûr que c'était toi, là. Et c'est quoi déjà le nom de l'université? C'est l'université All Sight. All Sight, comme la vue. Mais... ouais. Je me revire vers Shira pis je dis c'est-tu quelque chose comme ça sonne comme un bon plan ça? Ben c'est toujours mieux que se faire courir après des mutants en robe rouge là. Oui. Tout à fait. Là tu vas être en sécurité pis tu vas avoir un enseignement qui va te permettre de pouvoir le contrôler. Oui, pis comme question vient de dire, ils vont pouvoir te protéger aussi. C'est ça. Tu vas être entouré d'autres grands magiciens fort que toi-même. Et là, en attendant, la question, vous la voyez revenir avec comme plein de coussins qu'elle met comme dans un coin de la bibliothèque. Tu vas pouvoir te coucher là et t'as pas besoin de t'inquiéter. Le temple est très bien protégé par nos moines. Yes. C'est le fun. Mais avant qu'on parte là, tu sais là, tu m'as comme griffé l'arme là. Comment est-ce que je soigne ça? Là, tu regardes, genre, je sais pas. Ah. Ok. Probablement que Monsieur Alta Christos là, va pouvoir nous aider pour ça. La question à faire, il faut juste se reposer, ça devrait passer. C'est juste ça, ce que vous décrivez, c'est temporaire. Ça. Elle peut pas avoir sorti un sort. Trop du beau. J'essayais de pas dire trop haut niveau pour pas être méta. Merci, Ramnus. T'as pas le niveau. T'es une sorcière niveau zéro. Fait que ça devrait aller après un petit dodo, finalement. Moi, je dis qu'on reste avec elle pour la nuit, puis au matin, on va aller avec elle. Je pense qu'on est mieux placé pour la protéger en chemin d'un coup que les robes rouges décident de courir après plutôt que ses parents. D'accord, mais elle ne contrôle pas ses sorts quand elle dort. Puis en même temps, on est en train de trahir les robes rouges en quelque sorte. C'est peut-être mieux qu'on ne nous voie pas tant avec.
Moi, je doute qu'elle lâche ma main. Effectivement, elle est couchée, puis elle tient la main de promo. Ben, moi, je m'éloigne. Nira, on suit Vanera, moi, c'est sûr. Bon, ben, on se retrouve ici demain matin. Yes. Bonne nuit. Ben, qui reste, puis qui s'en va? Moi, je vais rester avec Brabos. Ok, c'est bon. Puis la petite. Carnot, il fait quoi, lui? Il aller dormir à l'auberge. Je vais me demander qu'est-ce que je fais avec le Vermilion Dream. Carnot, il va aller attaquer le Vermilion Dream. Ah, c'est ça que j'allais dire. Il va devenir un vigilante de nuit, puis il va aller... Lizard Man! Lizard Man! C'est ça! Oui. Wow. Et je pense que Carnot va aller dans... va retourner à l'auberge. On peut juste dire que c'était juste une petite fille qui criait en plein milieu du temple puis qu'il n'y avait absolument rien là. Yeah. C'est un peu ça. Ou aussi que c'était des rumeurs puis qu'il n'y avait rien. L'auberge en avait rien entendu. Mm. Donc, vous retournez, vous dormiez à l'auberge du Lakeside, vous autres. Donc, vous retournez là. Est-ce que vous faites autre chose pendant la nuit? Ou vous allez juste vous coucher, puis pause au lendemain matin? Moi, je vais pas... pas être trop loin de Bromos, mais m'en percher sur le top d'un banc. Puis, bon, je m'en doutais, toi. Là. Le bec d'un faire de dos, moi. Toi, tu dors n'importe où. Aéro, elle n'a pas de problème. Ben, moi, je vais rapporter mon boc. Ok. C'est vrai. Il est rendu au temps du chasseur, mais comme, well, fuck. Puis après, c'est toujours. C'est plus loin. C'est bon. Ouais. Si on va en prendre un autre rendu là-bas. Fait qu'on te rembourse les 8 pièces d'argent. Merveilleux. Sans problème. Et donc, vous allez juste vous coucher? Yes. Donc, tout le monde fait dodo à sa manière. Bromos, je sais pas s'il dort à côté de la petite ou pas. Pas vraiment le choix, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que tu es couché, tu te réveilles. Elle est rendue couchée, hein, quasiment embarquée par-dessus toi. Et... La trompe à l'entour la trompe à l'entour de la petite, genre, c'est comme... Voilà. Et le lendemain matin, tout le monde se lève. Question vous a fait faire à déjeuner, pour ceux qui ont resté dans le... Vous pouvez tous prendre un long rest en passant. Nice. J'attendais la permission. Et bien qu'on le fera pas en live, là, vous allez pouvoir... avant la prochaine game. On tue les villes! Vous allez muter les villes à level 7 pour aller au prochain étape. Nice! Facile! Pratique, sauver des petites filles de 15 ans! Si tu veux dire facile, j'ai compris, la prochaine va être plus dure, c'est beau. Ouais, c'est ça, pas de problème, pas trop vite, là, calmez-vous. Il n'y en a pas de problème. Ouais, mais j'ai. Mais c'est pas Carnoy qui a dit qu'il y avait pas de problème! Moi, je fais plus de distinction entre le joueur et le perso. donc, le lendemain matin, c'est ça. Fait qu'on vous fait, ceux qui sont à, au temple, on vous fait 2 œufs bacon, saucisse, fève au lard comme déjeuner. Ah, là, je suis comme ça, ouais, faim, là. C'est pas drôle. Je suis désolé. À chaque fois qu'on fait une game, tu dis que t'as faim. Chaque fois qu'il y a un repas qui arrive d'une game, c'est comme j'ai faim. Soit ça ou quand je mentionne le feu Duckmaster de tout mon enfant. Alfredo. Donc, on vous sert ça, vous mangez. Ceux à l'auberge, vous avez un déjeuner de jambon, patates sautées et... Quoi? J'ai faim. Ben, je m'excuse. Mange des chips, là. Ouais, c'est ça, je sais, là, je mange mes Doritos. Dans le micro! Désolé. C'est pas de ma faute si la bouffe est bonne dans le game. Bon, dans le monde. Et qu'est-ce que vous faites donc, mes trois qui sont pas au temple? On va au temple, I guess. Ouais. Au temple, tout simple, là, c'est... On avait dit qu'on les rejoignait. Est-ce que j'ai mangé des dégâts cette nuit à cause qu'elle m'a... Non, alors... Non. Ce que tu remarques en te levant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tracé un... Un espèce de cercle autour de toi puis de la petite. De sel, genre. Non, c'était pas de sel, c'est vraiment. C'est comme de l'angle bleu qui a été mis sur le sol. C'est déjà un bon truc. Un beau petit cercle d'anti-magie.
Ça, mettons, peux-tu le faire par elle-même? Demande la question, ça? Oui. Malheureusement, même moi, je suis pas capable. C'est on a avisé Maître Iowa, puis il est venu tracer ça pendant que vous étiez assoupi. Ça prend c'est quand même un niveau de maîtrise des arts magiques assez élevé pour être capable de faire un truc du genre. Niveau 8? C'est pas... De haut niveau. Très gentil, merci. Très apprécié. Je suis encore en un morceau. C'est le fun. On voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose quand même. Ben non, ça serait triste. Effectivement. Donc, vous mangez tranquillement. Le groupe arrive après une heure ou deux après le lever. Parce que vous êtes probablement levé plus vite qu'eux autres, parce que vous êtes dans un temple avec des moines qui se lèvent avec le lever de jour. Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Oh, ben puis moi, vous étiez dans la bibliothèque, fait que c'est comme... ça a grouillé de bonheur. Donc, le reste du groupe arrive. Donc, bon matin. Hello. Hello. Matin? Oui. Oui, et toi? Mm-hmm. Oui, oui, oui. Comme... Mon lit était très confortable. Ouais. Donc j'imagine que l'université est ouverte à cette heure-ci. J'imagine aussi. Ça devrait en principe. Les cours commencent dans. Puis la question regarde dehors. Environ une heure, donc. Bon ben c'est parfait. Est-ce que tu te sens d'attaque à aller rencontrer ton nouveau directeur d'école? C'est peut-être pas un directeur d'école. Ouais. Peut-être juste un... C'est un professeur là-bas. Je dirais, oui, oui. Merci, question. Ah, ça me fait plaisir, petite. Elle a l'air plus confiante de Joe. Elle finit par laisser ta main. Elle reste proche de Bromoz, mais elle sent moins obligée d'y tenir la main comme mesure de sécurité. Tes parents seront pas trop inquiets de pas te voir dans ta chambre au petit matin? Ah, Madame Question a envoyé un renfer à dépêcher un message. Pour leur dire où j'étais. Donc ça devrait aller. Très bien. Donc, vous partez vers l'université. Vous arrivez devant... L'université All-Seeing. All-Sight. All-Sight, All-Sight, oui. La réponse à cette question. Évidemment, non, Mario. Ça aurait été pratique. Donc, vous vous rendez... Je vais vous amener sur la map de pour vous montrer où c'est qu'on... La map principale. Une map de l'université? De quoi tu parles? Non, c'est pas ça. Pas en tout qu'on... De toute façon, vous voyez rien, ça va bien. Ouais. J'ai pas vu c'était quoi, fait que j'ai pas vu que c'était une erreur. Alors. Donc, là, je vais vous recentrer un petit peu parce qu'on n'est pas. Oui. Là, on n'est plus là. Vous étiez. Au temple, fait que vous êtes. Ouais, ça, on était dans ce coin-là. Dans ce coin. Et l'université. L'université, elle est... Oh! Ici. Dans les... Elle est comme en hauteur, parce que vous avez... C'est comme... La ville est comme sur un niveau, dans un espèce de canyon, si vous voulez, dans un trou. Puis, un niveau comme plus haut, c'est là que l'université est. Donc, vous partez, et vous êtes obligé... Ben oui, on voit les ridges. Ouais, vous voyez toutes les ridges. Vous êtes obligé comme de passer dans des grands escaliers, des ascenseurs, et tout le kit pour vous rendre au district de l'université. Ah, parce qu'il y a juste une route qui monte jusque-là. Ouais, et... Cool. Ouais, il y a actuellement juste une route.
Donc, vous montez à travers le grand ascenseur et vous arrivez dans le district de l'université. Il y a plein de... Oui? Ben, dans le fond, on aurait pu prendre une calèche. Plein de co-ed. Oui, jusqu'à l'ascenseur, dans le fond, parce que la calèche ne rentre pas dans l'ascenseur. Et vous rentrez là. Vous remarquez, premièrement, que la sécurité a l'air renforcée. Il y a beaucoup de gardes de l'université, du campus police dans le coin, qui patrouillent les endroits. Et pour faire une histoire courte, on vous envoie au bureau principal. Dans le fond, le student help desk, s'il vous plaît. Il y a une vieille dame qui est assise là, avec elle aussi des grandes lunettes. C'est une gnome. C'est un gros 3 pieds de haut, qui a des cheveux blancs avec des mèches roses. Et pourquoi une description détaillée comme ça? C'est parce que, pour le premier épisode de la saison 3, on a vu ce NPC-là qui est au Student Help Desk, joué par Matt Mercer! voilà! Donc, vous arrivez au Help Desk. Il y a la dame qui est là, qui relève ses lunettes. Et la première fois que vous remarquez, c'est qu'elle a des grandes lunettes, mais elle en a comme 4-5 petites accrochées à ses côtés. Comme qu'elle pourrait slider en avant pour faire comme une espèce de... Nice. Elle est capable de voir des petites choses. Ouais, c'est ça. Si elle les met toutes, elle penche par en avant. Ouais, quasiment. C'est quasiment à part ça. Le ballon. À part le ballon. Donc, elle est là avec sa grande plume, puis elle est après écrite dans un livre. Et elle se lève pas la tête quand vous vous présentez, malgré le fait que vous êtes un groupe très éclectique. Je veux dire, exception d'Aniera, tout le monde est un peu weird dans le groupe. Yes. C'est un zoo. Oui, Carnoa, lui, reste... Disons, on va dire, Carnoa a fait de son mieux pour être discret. Quand même un peu weird, moi aussi. Eh hey boy. OK. Aniera est la moins weird de la gang. On va le dire comme ça. C'est correct? Ah, le chien que doit égard, là. Voyons. Physiquement, Aniera est la moins étrange de ce groupe-là. Fait que c'est bon. Tu restes relativement stealthy. Puis elle est là, puis elle regarde son livre, puis elle continue d'écrire. Excusez-moi, madame? Bonjour! Mais bonjour! On cherche... Ah! Mon Dieu! De où il sort, celle-là? Désolé! On cherche Grix. On vient le voir par... En fait, c'est pas moi qui l'ai, la carte, c'est vrai. Question nous envoie parler à Grix. Vous dites que vous avez une question pour le professeur Grix, c'est ça? Oui, exactement! Vous savez, quand elle dit Krix, elle dit pas le bon nom. C'est Grix. Grise. Son nom. Fait qu'elle dit, le professeur Krix, oui, je fais appeler le professeur Krix, un instant. Grise. Je connais pas de professeur Grise, monsieur. C'est Grise ou Grix? Tu m'avais dit Grix tantôt. Grix à la Kritos? Ouais. Ah, vous voulez le professeur à la Kritos? À la cryptos, Chris. La cryptos, yes. Le gobelin. Oui, un instant. En avez-vous vois? Beaucoup des gobelins professeurs ici? 6. En undercommon, là. Il sacre undercommon. Il sacre undercommon. La petite arrive un peu de toi en passant, Shira, elle vous regarde puis elle fait comme OK. Ils sont tweet, eux autres. Ils sont comme un peu tweet. vous voyez, elle murmure de quoi, puis il y a comme une espèce de pouf bleuté qui apparaît. Ça devrait pas être long, là. Est-ce que vous avez une note de pour la question que vous devez lui poser? Je suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez. Oui, mais pas moi. C'est Dame Question qui nous envoie. Mais on a une note pour la elle. La question aussi. Est une dame? Je comprends pas ce que vous dites. On a une note de question. Mais on va... La question est sur une note? Aniera, peux-tu prendre le relais? On a besoin. Oui, dans mes poches, là, je sais plus dans laquelle je l'ai mise. Je la sors, est un petit peu chiffonnée. J'essaie de la remettre drette, là, puis je la donne à la bonne femme. Ah! Je viens de comprendre. Faut être clair dans la vie, messieurs, dames. Hein? On disait que nous avions une note de la part de Question. Non, vous avez une note de la part de Yiwo. Ah, je sais. Mais c'est Question qui nous l'a remis.
connais pas de questions, mais c'est bon. C'est, je vais vous croire sur parole. Posez pas de questions. Là. Non, c'est effectivement ce que je me dis. Donc, ça prend à peu près une minute ou deux. Et vous voyez le joli. Ah mon Dieu. Très joli petit bonhomme. Qui arrive. Il semble très sage. J'allais dire son nom, puis ça allait sonner tout croche. Son nom, c'est... Je me souviens plus son nom. C'est Gris... G-R-Y-Z. Gris. Gris Alakritos. J'allais dire Alex Cross, mais ça... Clairement confusing, ouais. C'est pas trop loin, là, mais... Moi, j'avais Grix Alakritos. Moi, je l'appelais professeur. Ouais, c'est bon. Fait que... Il sort, il est habillé dans son, une espèce de grande robe verte, puis il porte vraiment, là, vous savez, les espèces de chapeaux, mais universitaires, là, les graduations, là, ils l'ont tous en tête, les professeurs. Des beaux petits chapeaux carrés, là. Ouais, qui est vert foncé avec ses petites lunettes, puis là, il arrive, puis... oui, quelqu'un a demandé le professeur Alakritos? Je suis lui. La note? Ben, la madame, il remet la note, là, il... Bonjour! Puis je vais juste comme. Me tasser vers. Price is right, là. Genre, les modèles qui montent les chars et tout. Là. Faire, c'est genre moi, parce qu'il est caché derrière moi. Ah, ouais, c'est ça. Non, je vais m'approcher de Shira, puis il va faire. Ça, c'est à ton tour. Ça va bien aller. Elle vous regarde, puis elle fait. Ok. Shira, enchanté. Enchanté! Enchanté! Il a l'air de vous regarder avec genre. Carnoa. Enchanté. Ouais, c'est bras, Buzz. Enchanté. Est-ce que la petite note, là, elle expliquait notre problème? J'ai pas pris le temps de lire. J'aimerais me présenter avant. Ah, okay. C'est pas un... Techniquement, c'est pas un problème. C'est... Ouais, je suis une personne, Sora. Mm-hmm. Moi, c'est Bramnus. Ouais, c'est Shira. T'es quelle couleur aujourd'hui? De couleur impatiente. C'est ça. C'est comme si la couleur de ah shit, elle est pas sortable. On retourne à l'hôtel. Je garde ça pour demain. Ah, okay. C'est bon. Oh fuck, ça sera pas beau sur le bateau. Une semaine de voyage. Ah tabarnak. Elle va me tirer les voiles. Juste les flèches sur tout ce qu'elle voit. C'est un géant. Et vous, demoiselle colorée, votre nom, c'est... Je suis Anne Aira. Ah, enchanté, professeur. Bon, voyons voir. Puis il replace ses lunettes sur le bout de son nez, puis il commence à lire la note. Je vois. Il se revire de bord avec la madame. Ça va nous prendre une chambre de type C. Et il va falloir donner une robe. Il regarde Shira. Je crois de taille small, ainsi que des matériaux. C'est une sorcereur. Elle a échoué au matériel. De quoi qu'il parle? Ça va prendre des livres, monsieur Carnoa. Des livres pour étudier. Ah! C'est à étudier, un sorcier? Je ne vous dis pas comment être un homme lézard. Ne me dites pas comment être un professeur de magie, s'il vous plaît. C'est parfait. Disons que mes dons arcanes me sont venus naturellement moi aussi, là. Ça va lui prendre un chaudron. Il te regarde! Il te regarde bien comme du monde. Là, tu le vois, il comme ses doigts font comme une espèce de pattern. Non. Tu fais non? Non, je peux pas brûler un spell. Okay, il fait avec quoi, puis il fait oui, c'est ça, naturellement, oui. Oui. Il continue. Il place la note dans son. Donc, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Shira va être pris bien en main. Et vous pouvez être sûr que je vais veiller sur elle. Et aucun de ces villes et sordides personnes du rêve rouge ne vont s'attaquer à elle. C'est excellent. Et c'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça te convient, Shira? Mm-hmm. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de fonds pour aider à son éducation? Non, merci beaucoup, mais il semble que le temple va s'occuper de payer pour son éducation.
facile. C'est excellent, ça. Eh bien, ce fut un plaisir de te rencontrer, Shira. Puis là, je tends la main. Elle serre la main. Elle vous serre tous la main. Je souhaite une vie comme tu veux l'avoir. Merci. Puis là, elle fait un gros câlin à Bromoz. On va se revoir, Shira, j'en suis sûr. Un jour, tu vas vivre des aventures par toi-même, puis on se les racontera. Promis! Puis, yeah. Shira quitte avec le professeur à la 4 ours pour aller étudier. Ça s'agrandit si vite! Carnot se retourne vers Bromoz. Mais je comprends pas, c'est exactement ce que je viens d'y souhaiter moi aussi. Pourquoi qu'elle a pas trouvé ça cute? Ça doit être le fourche langue. Le fourche langue. Mais tu sais, pourquoi tu lui as souhaité une belle vie d'aventure tout d'un coup qu'elle veuille une vie normale et simple? C'est une magicienne. Alors, ouais. Elle peut faire ce qu'elle veut. Oui, absolument. Sauf que elle toi, me racontera, t'as dit, genre, ouais, elle me racontera. Sauf que toi, tu viens lui dire de partir à l'aventure. Là. Elle fera ce qu'elle veut, elle m'écrira au pire. Là. On viendra lui rendre visite. C'est ça. Ah. I mean, elle vient de joindre l'université de magie, c'est sûr qu'elle va développer des skills. Bonnes chances. Je veux dire. Elle est assez intelligente pour aller se cacher pour pas tuer ses parents. C'est quand même genre déjà une couple de coches au-dessus des gens normaux. Oui. Ben oui. Good enough. Donc, vous discutez de ça en sortant du district universitaire et en retournant. Il vous reste... Non, en avant du desk. OK, vous restez en avant du desk, c'est bon. Non. J'avais assumé que vous marchiez, mais bon, c'est correct. Est-ce que vous faites d'autres choses avant le départ, la journée de départ fatidique? Il vous reste une journée à tuer. Ouais, vas-y donc. En fait, side quest, je pense que le quest log est empty. Yes. Mais... Genre, ramasser une ou deux potions, ça pourrait-tu être une idée? Oui, il m'en reste déjà encore deux. J'en avais déjà deux de spare, en cas. Parce que je sais que t'es un bon backup, mais tu sais, des fois, se relever tout seul pour pas avoir besoin de tout, ça pourrait être le fun. Ben, se relever tout seul, si t'es à terre, tu peux pas l'avoir ta potion. Non. Ouais, il y a de ça. Non, pis si moi, je suis à terre, je peux pas vous healer non plus. Yeah, c'est ça. C'est pour... ça prendrait... Dans le fond, si on nous en reste deux, faudrait en avoir une chaque pour pouvoir relever quelqu'un d'autre qui est dans la merde. Surtout genre Hera. Oui, je vais demander à Hera de caster justement un cure light. Je vais te voler ton spell pour pouvoir le caster. Que je fasse ça là? Yes! Je comprends pas trop pourquoi tu veux que je te le fasse, mais tu sais, comme t'es mon compagnon, on va faire un cure wound. Merci. Là. La méfiance de Shira, t'as pas été contagieux? Hey, regarde, je te le donne niveau 3 en plus. Parfait. Beau ça? Ça change rien. Oui. Il casse toujours un max, ça va. Ben, c'est parce que ça va pas lui donner plus de. Non, parce que moi, je vais le caster à ce niveau-là. C'est ça. Mais ouais, la sphère devient une espèce de petite boule de magie qui rentre dans ma main et puis rentre dans le corps. C'est cool, ça. C'est pas la première fois que tu le vois fort. Non, je sais, mais c'est parce que j'aurais pas pensé que ça aurait marché sur les sorts de... Ça marche sur n'importe quoi. De healing. Ça marche sur n'importe quoi. Oui. Donc, pour ceux qui veulent s'acheter des potions, vous retracez la dame qui en vendait, qui était celle qui avait la fameuse statuette d'éléphant qui a été achetée par Bromoz. Vous lui achetez les potions que vous voulez, c'est 50 pièces d'or pour les petites. Et si jamais vous en voulez des médiums à 4D4 plus 4, elle en a deux de disponibles, mais c'est 200 pièces d'or du pop. Fait que je dépense 250 pièces d'or. Fait que t'en achètes une médium puis une normale. Yeah. On avait-tu encore... C'est-tu avec ce groupe-là qu'on avait un pot? On a un stash de... Ouais. À part... Je mets une potion de healing, Bramnus, dans ton inventaire, puis je vais aller chercher la deuxième. C'était combien la potion of healing? C'est 50 la petite, et 2D4 plus 2, puis t'en as une, il en reste une à 200 pièces d'or médium qui est 4D4 plus 4.
Je vais en prendre une petite. Okay. Je vais te la glisser, ce sera pas long. Ben, j'en ai déjà un qui est à 0 sur 1. Je peux le mettre à 1. Ça marche tout le temps. Oui, tu peux la remettre à 1 sur 1. Ça va, ouais. Tu m'as dit que j'avais une petite puis une moyenne? Ouais, je m'en viens avec la moyenne. Ok, ok, je t'ai pas dit, ok. Parce que j'en avais déjà une petite dans mon stock, fait que je suis rendu avec deux petites et une moyenne. Ouais. Là. Boum! Tu devrais avoir la Potion of Greater Healing qui est la moyenne, parce qu'il y en a une supérieure qui est comme... La supérieure, elle vous donne 8 des 4 plus 8, mais ça, il n'y en a pas en vente. C'est vraiment... c'est la high level, ça. Là, ouais. On n'a jamais ce niveau de point de vie là. C'est... En average, c'est à peu près 8 fois 2, 3... C'est entre 24 et 32 points de vie en moyenne. Fait que c'est pas mal comme la moitié de ma barre de life. Ouais, ça. C'est ça. C'est... Mais il n'y en a pas à vendre. Là, vous avez. Il reste encore une médium puis plein de petites. Je vais en acheter. Là, Bromos, t'es correct. T'as remis ta potion dans ton inventaire. Yep. Super. Je pense pas avoir besoin de grand chose. Good. Les autres, ça va. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou est-ce qu'on time skip jusqu'au bateau? Je pourrais voler un autre spell. Je pourrais te voler un autre cure. Toi, tu veux voler un autre cure ou tu préférerais voler quelque chose un peu plus? As-tu une limite de spell volé possible? J'en ai 4 maximum que je peux emprunter à d'autres personnes. Avec ou sans leur consentement. J'aime mieux que tu me demandes avec mon consentement, c'est correct. Oui, ben en ce moment, j'ai pas vraiment besoin de te faire des accroirs pour avoir des ressources. C'est principalement pour t'aider. Veux-tu apprendre à rage? Malheureusement, je peux pas. Parce que comme Aira, elle a accès à Mass Healing aussi. Ouais, parce que j'ai comme plusieurs spells. J'ai Mass Healing, j'ai Cold Lightning, Lightning Bolt, Sleet Storm. Blessure, restauration, shatter. Ça, c'est beau. Les autres, c'est niveau 1. Là. Tu commences à lire ta spell list, on n'a pas fini. Non, mais j'en ai pas tant que ça, des spells. Pas mal. Donc, il y en a-tu un que tu veux ou. Ben, Mass. Je ne sais pas si Mass Cure pourrait. Vraiment aider. Mass Healing fait que tu peux choisir jusqu'à 6 créatures de ton choix dans ton range à 60 pieds de toi, puis il regagne un des 4 plus ton spell casting ability modifier. Ah, c'est à distance. Ouais, ça peut être pratique si jamais on est comme. Ouais, si je suis loin de toi à ce moment-là. C'est sinon... un bonus action, c'est pas une action, c'est un bonus. Oh, en plus, en bonus. Oh. Ouais. Malade. Je prendrais ça, I guess. Bon, sinon, Aniera, t'as-tu des choses? C'est vrai, je vais avoir un autre sort niveau 4 parce qu'on monte de niveau aussi. Vous allez monter de niveau. C'est pas juste moi qui ai des spells. J'ai 3 spells. Non, toi, t'es. Enhance Ability, Lesser Restauration, puis Web. Ah, c'est quand même pas pire pareil. Enhance Ability, c'est bon. Bon, moi j'aime, on dirait qu'il magasine, genre quel spell qu'il va aller. Il y a du spell que je prends, t'as l'affaire. Enhance Ability, je peux-tu choisir lequel tout de suite ou. Donc, parce que ça a été trop long, on va arrêter ça là. Fait qu'on verra pas le bateau aujourd'hui, on va attendre encore là, deux semaines pour l'épisode 21. Ben oui, c'est un beau cliffhanger. On va voir le bateau, puis on va se préparer à partir. On va voir si Aniera devient. That elf pendant le voyage et c'est ça? Et on a encore très hâte de voir mon éléphant. Ouais, oui, on a toujours pas vu. Si elle vient that elf, on l'attache avec de la corde comme un sous-son puis on la met dans le fond de la cave. Voilà! Ça serait quand même ironique que mon éléphant ça soit spawné juste pour contrôler Anira. C'est drôle. Le voyage, il doit durer combien de temps? Il vous l'a pas dit. Ça serait combien de temps? La seule chose qu'on sait, c'est que. Et comme personne, à part Bromos, a vraiment pris de bateau volant. Parce que je viens d'allumer que Bromos vient d'un autre continent. Fait que même, il aurait dû prendre un bateau volant pour se rendre où il était au début.
À part Bromoz, il n'y a personne. Fait que, et Bromoz, je pense pas, est capable de calculer exactement les kilomètres et le temps entre les continents. Définitivement pas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Donc, il n'y a pas ces talents-là. Donc, je pense pas que vous avez qu'à déterminer combien de temps ça pourrait prendre. Tout ce que vous savez, c'est que la forteresse sur le nuage est au-dessus de... pas loin de... au-dessus de Whitestone, qui est sur le continent de Tal'Dorei. Même pas sur le continent sur lequel vous êtes. Donc, ça va prendre un petit bout, j'imagine, à se rendre. Finalement, voilà. Ça va prendre des dés. Ah non, ça va pas prendre des dés, ça va prendre plein d'instruments pour faire plein de musique pendant ce temps-là. Yeah! Yay! Yeah. Yeah. Donc, oubliez pas, avant 2 semaines, de leveler vos personnages. Yes! Que ça soit fait, tout le monde devrait être rendu niveau 7. Et c'est pretty much ça. Et je pense que la prochaine fois qu'on se voit, ça va faire exactement 1 an qu'on a débuté la campagne. Ouh! Ah, nice! On va être dans l'épisode 21, mais on a eu quelques breaks cet été, puis une autre fois. Fait qu'on a eu quelques breaks, fait que d'après moi, ça va faire 1 an. Si ça fait pas 1 an, on est vraiment pas loin. Fait que c'est ça, on va autour d'eux. Avec ça va tomber le 23 mars. Ben, c'était ça, il me semble que c'était fin mars, début avril qu'on avait commencé. Ça fit pas mal dans ce que je pensais. Ouais. Ouais. Donc, le 23 mars va être la suite. Merci. Bienvenue dans la salle de jeu pour le follow Vralcor. Et c'est cela. On va regarder pour aller raider. On va aller raider Chuck. C'est qui qu'on avait on été voir la dernière fois? Chucky. On va aller raider Chuck de l'auberge. Chuck, Oh oui. La dernière addition de l'auberge des streamers, c'est Chucky. Notre marmotte préférée. Nice. Oui, ouais. T'avais pas lu. Je l'ai vu. Ouais. Donc, il y a une vidéo de présentation aussi, vous avez ouais, qu'il y a urgent. Je l'ai tout écouté. Ouais, moi aussi. Je vous rappelle donc que demain, Mimi, stream, tu continues-tu Hogwarts? Yes. Frank, est-ce que tu streams demain pour... Et que non, demain on monte une table dans la maison. Fait qu'il n'y aura pas de stream demain. Il n'y a pas de stream demain pour Frank. La semaine prochaine pour la table. Ensuite de ça, samedi, vous faites du couch co-op? Yes. Moi, je suis de retour lundi avec la suite pour Warhammer. Le côté RP, le lore et la magnétisation. Urgent, c'est ton horaire régulier la semaine prochaine, mardi. Mardi, jeudi, mais il y a la console qui console en fait. Ah ouais, puis la console qui console, merci, j'allais l'oublier. Ben, oui. Vous pouvez retrouver Urgent qui va être en stream, c'est ça? C'est la console ou chez vous, ce coup? En fait, semaine? Non, c'est à la console. Je vais être là-bas, là, sur place. Oui, mais est-ce que tu streames? On va streamer, oui, on va streamer. Sur ta chaîne? Quand je dis « on », c'est à cause que moi, je vais être sur ma chaîne, je vais alterner avec Yugi, il y a Tyranna, il y a Gablin, il y a plein d'autres mondes ici. Okay. On est en train d'organiser des affaires entre nous. Cool. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre, vous pouvez donner sur les chaînes. Et sur ce, on s'en va à Chucky. N'oubliez pas de donner du love. Merci à tous. Bye. À la prochaine. Bye. 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 Bye.